Il est 11h, si vous voulez bien prendre place, nous continuons et terminons les ventes, toujours aux conditions du catalogue et du procès-verbal. Les ventes sont faites au comptant, les frais sont de 6% hors taxes en plus des enchères, et l'enchère minimum est de 3 000 €. Allez, parlez. C'est bon ? Allez, roulez. Nous allons commencer par le lot numéro 525, présenté par le haras de Fresnay-le-Buffard, une femelle B née le 27 février 2015 par Planteur et Darwana. Fille de Planteur, petite fille de Dandeville Dancer par le fait, la mère par Bering, la deuxième mère par Kayazi. Et une belle souche de Hagakan, celle de Dalakani, de Deilami. Combien offre-t-on pour débuter pour la fille de Planteur ? 5. 5 qui m'appelle à 5. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. C'est la dernière journée. Je viens de me taper un 50 mètres sprint, un 50 mètres haie, pour venir m'installer au commentaire pour suivre la dernière journée, donc, comme je vous le disais, de cette vente d'octobre de Yearling à Arcana, toujours. Et nous allons commencer avec le 525. J'espère que vous êtes en forme. Ce sera assez court, assez dense aussi pour cette dernière et dernière journée déjà. 4 jours de vente. On en aura vu des tops aujourd'hui. Hier, on en avait un top à 135 000 € pour un fils de Steve Vendôme. Avant-hier, 200 000 € pour un fils de Raj Zaman, donc des étalons français, sont à l'honneur. Pas que les étalons étrangers, d'ailleurs. 3 000 €, pas de regret, nulle part, à 3 000 €. À 3 000 € pour cette fille de Planteur, dernière fois, dernière chance, à 3 000. À 3 000 €, bien vu. À 3 000 €, fini. À 3 000 €, pas de regret, nulle part. À 3 000 €, elle est retirée. Nous passons au lot numéro 526, présenté par l'élevage mère, une femelle. Ah ben, ça commence bien. 2015, par George Vancouver et désert. Pas d'ailleurs. Fille de George Vancouver. Retire à 3 000 €. Dont les premiers produits sont Yearling, un gagnant de la Breeders' Cup Juvenile Turf. La mère est gagnante, titulaire de 4 victoires, demi-sœur de 2 Black Type et de 6 vainqueurs au total. Combien offre-t-on pour débuter pour cette fille de George Vancouver? Pouliche épaisse ici, combien offre-t-on pour débuter? Mère gagnante, 3 000 €. Alors, pour le lot précédent, c'était plutôt ça. 3 000 € distance à 3, 3 000 à 3 000, 3 000 € la fille de. Et pour le lot actuel, c'est toujours. 3 000 € Et 3 000 € pour l'instant, il n'y a personne pour cette fille de George Vancouver. 3 000 € distance à 3 000, à 3, 3 000, à 3 000 €. Une nièce de l'île Bornée, Lisa, fille d'Elusive City, gagnante de l'Easted. À 3 000 €. Voilà, Freddy Poel, de dos. Et il y a trop de reflets. À 3 000 €, last time, dernière fois à 3 000. À 3 000 €, la fille de George Vancouver à 3 000. À 3 000, j'ai à 3, à 3 000. À 3 000, suivant 3, à 3 000. À 3 000, George Vancouver à 3, à 3 000. À 3 000, à 3 000 €, j'ai à 3 000. À 3 000 €, 3 000 € suivant à 3 000. À 3 000, à 3 000 € bien vu. À 3 000 €, dernière fois à 3. À 3 000 €, pas de regret à 3. À 3 000 €, merci. À 3 000 €. Vous le voyez sans doute dans les tribunes, dans les gradins, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. À 3 000 €, une mère gagnante. À 3 000 €. Ça risque d'être compliqué pour les premiers lots qui passeront sur le ring. Merci. Le lot numéro 527, présenté par le haras du logis Saint-Germain.
une femelle B née le 5 mars. Bah oui, ça va aller vite, me dit-on. Écoutez, 6, si tous les lots partent à 3000 euros. Bon, mais c'est comme ça. Il y aura du logis Saint-Germain nous présente une fille de McPhee. Fille de McPhee. De Dicara. Fille de Royal Applause. Fille de McPhee. C'est la famille d'Animal Kingdom. Qu'on retrouve sous la troisième ère Animal Kingdom, le fils de le roi des animaux, gagnant de la Dubai World Cup pour la Kazakh de la Team Valor. Il avait également gagné à 3 ans le Kentucky Derby. C'est le fils de le roi des animaux qui fait désormais la montée en Australie et aux États-Unis. Il avait été acheté à moitié, je crois bien, par Sheikh Mohamed. 5 000 euros qui se lance à 5 000. C'est la victoire de la Dubai World Cup, la course la plus richement dotée au monde. L'épreuve pour le dispute sur le dirt, le sable, je ne sais pas trop ce que c'est. Bref, et sur le gazon, c'est bien sûr l'Arc de Triomphe, la course la plus richement dotée. C'est une origine allemande. La grand-mère d'Iakada, la grand-mère de cette yearling, non pas d'Animal Kingdom. Iakada avait gagné le Henkel-Rennen. Le Henkel-Rennen, c'est l'équivalent de la poule d'essai des pouliches. À 3000 euros, vous êtes seulement à 3000. À 3000 euros, fille de McPhee, la mère par Royal Applause. À 3000 seulement, vous faites pas de regret. Nulle part à 3000. À 3000, merci. À 3000, bien. Etienne Linders qui est là. Pas de regret. Nulle part. À 3000 euros, on peut être jugé. Damien de Vatrigan. À 3000 euros. Jean de la Guillonnière aussi. À 3000 euros, merci. À 3000 euros. Qui s'aperçoit et aperçoit Damien de Vatrigan. 3000, merci. Gérard Larieux. Arnaud Bédoué en discussion avec Pépette. Présenté par le Hara d'Ombreville, un mâle B né le 17 mai 2015 par Le Havre et Duchess of Highgrove. 3000 euros pour les trois premiers. Chic Poulain ici. Ah, en revanche, Dinavena, le fournisseur officiel des champions. Xavier Lipins, présent aux ventes, il est présent au concours. Il est présent partout. Ce fameux Xavier Lipins, Adina Vena nourrit les champions à l'instar de Sofrench entre autres. Pour ne citer que lui. 5 000 euros, Le Havre, 5 000. Alors le Havre, c'est un mâle de Le Havre présenté par Mathieu Gouenard du Hara d'Ombreville. 3 000 bien sûr à 3, à 3 000, à 3 000 le Havre. De la famille. J'ai à 4 000 vues à droite, à 4 000. De Cityscape et de Bated Breath. Cityscape, c'est un fils de Selkirk. Bated Breath, je crois que c'est un Zamindar. C'est une famille de Judmont Farms. Celle de Xar également. On trouve sur la quatrième mère. Qui est entraînée par André Fab, qui avait gagné les Dewar Stakes, la Salamandre aussi. À l'âge de 2 ans, donc, de groupe 1. J'ai 14 000, vous êtes à 14 000 euros, à 14 000 euros, Julie Lanchère à 14, 16 000 euros, 15, il a dit 15, à 15 000 euros, j'ai 15, 16, il a dit 16, maintenant Julie. La Mayenne est là, Patrick Roulois, qui a vendu hier une fille de Ken d'Argent, c'était le 497, je crois, de mémoire. Acheté par Marc Pimbonnet, fille de Ken d'Argent et Bye Bye Fuji, ou Blue Blue Fuji. Bref, c'était le lot 497. À 18 000 euros, Le Havre à 18, bien vu. À 18 000, bien vu, fini. Last time, à 18 000 euros, Guillaume. À 18 000 euros, merci. À 18 000 euros, pas de regret nulle part pour ce fils de Le Havre, Nétard, qui va changer encore. À 18 000, 18, 20, 20 000, 1, 19. À 19, il a dit Stan, à 19 000. 19, à 19 000 euros, l'enchère. Plus nous, Guillaume. À 19 000, j'ai. À 19 000, j'ai par Stan, à 19. À 19 000, j'ai par Stan, à 19. À 19 000, last time, dernière fois. 19 000, bien vu. 19 000, merci. Stanislas, l'enchère, à 19 000. Et on va juger à 19 000 euros. Fini. À 19 000 euros.
On adjuge. Stand 19, merci. Le lot numéro 529, présenté par le Hara du Taï, Eternal Fame, femelle Alzane née le 11 mai 2015 par Falco et Hearth Affair. Fille de Falco, la mère à Catenango. Le premier produit est vainqueur, c'est un American Post. La mère demi-sœur d'Eminem, une famille allemande des E. Combien offre-t-on pour débuter pour cette fille de Falco? Bonne marcheuse. Pouliche qui s'engage bien, combien en frotte-t-on pour débuter pour cette fille de Falco qui réussit dans les deux disciplines? Combien débute-t-on? 5 000 euros qui m'appelle à 5 000 la Falco à 5 000 euros 3 000 la Falco à 3 000 euros la Falco à 3 000 qui m'appelle à 3 000 Dominique Lanchère à 3 vous êtes 3 000 la Falco à 3 000 euros suivant encore 3 000 l'enchère à 5 000 vous êtes à 5 000 euros vous êtes l'enchère à 5 000 qui prend le relais de 5 000 à 5 000 bien vu 5 000 fini à 5 6 fresh bidder à 6 000 la Falco à 6 000 pouliche qui marche à 6 000 euros 6 à 6 000 7 000 euros 7 à 7 000 Dominique l'enchère à 7 000 8 000 maintenant vous êtes à 8 000 maintenant vous êtes Laura à 8 9 Dominique 9 à 9 000 la Falco à 9 000 10 000 c'est par nous à 10 000 le l'œuvre précédent est parti à 19 000 euros 12 000 elle a dit 12 à 12 000 à 12 13 13 000 et vous voyez une fille de Falco à 13 000 et plus là 13 Dominique Lanchère vous êtes à 13 000 assez élancé. C'est féminin. Eternal Flame, Fame, pardon, c'est son nom, elle est déjà nommée. Une sœur d'Eternal Army. Un fils d'American Post qui est âgé de 2 ans, qui est déjà double gagnant. Le troisième produit de la mère, une fille d'Acatenango, issue d'une. C'est une sœur d'Eminem, gagnant de l'Istad en France. Le prix du Grand Camp, c'était à Lyon. Une famille allemande, celle de Del Tiger. Une famille allemande qui a produit en obstacle aussi, je pense à Captain Chibi, du Supreme Novi Caesar Doll à Cheltenham, groupin. Une famille classique en obstacle, une famille classique en plat également, puisqu'on retrouvait Nora, gagnante du prix de Gannes. Pas de regret, à 16 Grégoire Lanchère, à 16 000 merci, à 16 000 bien vu, à 16 000 euros. On l'a dû, Grégoire 16 000, merci Paul Nataf 16 000. Le lot numéro 530 est absent. Nous passons au lot numéro 531, présenté par le Hara des Évées, un mâle B né le 1er mai 2015 par Rio de la Plata et Escolida. Rio de la Plata, la mère par Mon jeu, remarquable père de mère. La mère a déjà produit 2 vainqueurs. Combien offre-t-on pour... C'est Paul Lataf, hein, si j'ai bien entendu tout à l'heure, qui a écrit un mot à 16 000 euros. Le voilà, Paul. Lataf. 5 000 euros, la mère mon jeu, 5 000. Fils de Rio de la Plata, dont les premiers produits sont âgés de 2 ans, ils sont gagnants. Ils sont gagnants assez tôt d'ailleurs dans la saison. Je vois passer devant moi Auriel Expantal. Auriel Expantal, il en entraîne plusieurs des Rio de la Plata. Il entraîne des gagnants évidemment de Rio de la Plata. À 4 000 euros, l'enchère à 4 000. À 4, 5, 5, fresh bidder à 5 000. À 5 000, vous êtes Julie. À 5 000 euros. 5 000 euros pour un fils de Rio de la Plata, donc un neveu de Septimus, un gagnant de l'Irish Saint-Léger. Voilà Anthony Baudouin. Et Karine Belluto, sur la droite de l'écran. Un des petits champs. À 8 000 euros, à 8 000, Jean-Baptiste André, 8 000 euros, devant. À 8 000, 9 000, l'enchère à 9, à 9 000. Septimus, un gagnant de la Irish Saint-Léger. Là, c'est de la Coronation Cup. Il avait participé une année au prix de la Loterie Triomphe aussi. À 9 000 euros, bien vu à 9. C'est fils de Sadler's Wells. Je pense qu'on va juger à 9 000 euros déjà. Fils de Rio de la Plata avec une mère par Monjeu, une grand-mère par Darshan. Présenté par Daniel Cherdeau, c'est le Hara des Évées. Il avait notamment élevé l'excellente Varivé, gagnante de groupe 3. Merci Julie Lanchère à 9 000.
Je crois que c'est Mathieu Palussière. Le lot numéro 532, femelle grise, présenté par le... Ou pas, non, pas du tout. Par Steel Vendôme et Ever in Love. À noter que Mathieu Palussière est bien dans le couloir. C'est supplémentaire. Et que cette pouliche présente une plaie cutanée. Je crois que c'est le responsable étalon du haras du logis qui signe le bon. Voilà Maresca Sorrento, le patriarche du haras du Lion. Et oui, il a 21 ans, le père de Pino de Ré. Lot of speed in this family. Qui l'an prochain retourne au haras du Lion. Fils de Catoutal. Tout bon 2 ans également. Combien offre-t-on pour débuter pour la fille de Steel Vendôme? Petite fille d'Anaba, la mère, Black Type à 2 ans. Combien offre-t-on pour débuter? 5 000. La fille de Steel Vendôme, 5 000 euros, 5 000 qui débute, 3 000, j'ai à 3 000, à 3 000, vous êtes 3, 3 000, à 3 000, Steel Vendôme à 3, 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, l'enchère à 3 000 seulement, à 3 000, à 3 000, à Steel Vendôme à 3, 3 000, bien vu. Puis de Steel Vendôme, désormais présenté par le harat de Freinet le Buffard. À 3 000 euros. Elle est bien née, sa mère était gagnante de l'Easted, Ever in Love. À 3 000 euros, j'ai à 3 000, bien vu seulement, à 3 000 euros. Et sa sœur, Kelty in Love, était gagnante du prix des rêves d'or. C'est soit la mère, soit la fille, ou peut-être les deux qui ont été élevés par Jean Birabin, je crois. 5 000 euros, 5 à 5 000, à 5 000 l'enchère. En l'occurrence, c'est le haras de Freinet le Buffard qui nous présente les Easteds. À 5 000 euros, l'enchère à 5 à 5 000. De Steel Vendôme, plutôt. Fini. À 5 000, merci. À 5 000, pas de regret. À 5 000, on peut être jugé à 5 000. Pas de Grégoire 6, nouvel enchérisseur à 6 000. À 6 000, maintenant c'est vous à 6 000. 6 000, à 6 000, c'est par nous, Stan, l'enchère à 6 000. À 6 000. On trouve un bon cheval d'obstacle, c'est Moby aussi. Sous la deuxième mère. Dernière fois à 6. Moby, à 6 000 euros, on peut être jugé à 6. À 6 000. Cousin de cette yearling, où est-elle? Elle est là. Elle est bien sur le ring. À 7 000, maintenant vous êtes à 7 000. Moby est un cousin, effectivement, de cette yearling. Merci. Plusieurs fois lauréate placée de l'Easted. Pour la casaque de Pierre Goral, me semble-t-il. Gréboy, on Gréboy. Ça, c'est le catalogue de Paul Nataf. Fini Grégoire, à 8 000 on peut être jugé, merci, à 8 000 Stan maintenant, à 8 000 euros. Mais sinon on respecte la vie privée, hein, Francis. 10 voulez-vous Stan, à 9 000 j'ai, à 9 000 ici, et plus là, à 9 000 vous la perdez. Bon, on a pas lu ce qui avait marqué comme commentaire sur les pédigrés. À 9 000 euros, merci, à 9 000 euros, fini, à 9 000 euros, Laura, à 9 000, on est jugé, 9 000 Daniel Cole. Le lot numéro 533, présenté par le haras de Grand Camp, femelle alsacienne née le 6 mai 2015 par Dreamerhead et Excellent Girl. Je ne sais pas s'il l'a toujours, mais on la voit Henri Alexpantal, Mathieu Daguzan, Garros et Daniel Cole qui est juste derrière. Fille de Dreamerhead. Quoi qu'il était propriétaire du haras du Bois d'Argile. Vainqueur du Critérium de Maison Lafitte, comme le vainqueur du prix des ennemis hier, Dreamerhead. Dreamhead. Et effectivement, hier, il a sorti la leurade du prix Isonomie. Ici, à Deauville. Bonne jument de course. Combien offre-t-on pour débuter pour cette fille de Dreamhead? 10 000. Présentée par Eric Lermite. 10 000 euros. Elle est alsane. Non, pas comme son père, non. Son Dreamhead, 5 000 euros. Non, bien sûr, il est bai brun. Dreamhead qui fait la monte à Ballyhinchstead, ce fils de Dictat, qui est battu Goldikova dans le prix de la forêt. C'est la dernière course de Goldikova en France. À 6 000. Donc elle ne s'envole pour les États-Unis, pour la Breeders' Cup. À 8 000, la Dreamhead à 8 à 8 000. À 8 000 euros, j'ai à 8, 10, 10 000. 10 000, vous êtes à 10, à 10 000. À 10 000, maintenant j'ai à 10 000. À 10 000, la Dreamhead à 10, à 10 000. À 10 000, à 10 000 euros, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros. À 10 000 euros, la Dreamhead à 10 000. À 10 000 qui avance à 10, à 10 000. À 10 000, à 10 000 euros. À 10 000 euros. À 10, 12, 11, 11 000. La famille, on retrouve Donativum. C'était un cheval gris. Cheval gris, pardon, qui portait la casaque Godolphin, qui, je crois, à l'âge de 2 ans, avait remporté une épreuve de la Breeders' Cup. À 13 000 euros, 13, 14, 14 000. 14 000 ce de Donativum. On retrouve également Prince Arch, un gagnant de groupe 1. À 14 000 euros,
enchères à 14. Et qui était étalon à un moment donné chez, dans l'est de la France, chez Gérard Russon. 16 000, vous êtes 16 à 16 000. Là où font la monte désormais Magadino et Indomito. À 16 000 euros, la Dreamhead à 16 000. Oh, du Broussard. À 16 000 euros, c'est plus joli. 16, 18, 18 000, 18 000, 20, 20 000, 20 000, vous êtes à 20, à 20 000. À 20 000, la Dreamhead. C'est une belle pouiche, cette fille de Dreamhead. La mère est par Exil en Excel. La mère était placée du Cléopâtre, 4e du Saint-Alary. La Dreamhead à 22 000. À 22, 4, 24 000. Excellente girl. Qui n'est pas une fille d'excellente art, comme son nom l'indique. L'enchère à 24, 6, 26, le laisse penser. 26 000, j'ai maintenant à 26, à 26 000, la Dreamhead à 26, 26, à 26 000 euros, à 26 000. Et Hervé Budet. À 26 000, c'est par nous. Julie, à 26 000, merci. À 26 000, l'enchère. 28, 28 000. Pardon, j'étais en train de bailler pour tout vous dire. Et Hervé Bunel qui est là, qui est au téléphone. Hervé Bunel qui, on va vous poster la photo aujourd'hui sur Facebook et sur Twitter. Mais Hervé Bunel, sachez qu'il était, il était à Ascot évidemment pour suivre la victoire d'Almanzor samedi dernier dans les Champions Stakes, bien sûr, puisqu'il est manager d'Antonio Caro, le copropriétaire d'Almanzor. Et il avait ramené avec lui le trophée du propriétaire. Bah, c'est justement lui, c'est Hervé Bunel. On va le voir dans un instant. Il est en face. La mère est en face. Il a produit un black type. C'est un fils de Champs-Élysées. Le père de Trip to Paris, par exemple. De Jack Naylor également. D'excellence, toute bonne jument de groupe. On va le voir, Hervé. Le voilà. Et donc, bref, il avait ramené avec lui le trophée du propriétaire du lauréat des Champions Stakes 2016. Ce trophée, vous l'avez peut-être vu, c'est une cloche qui vaut la bagatelle de plus de 17 000 livres, soit presque 20 000 euros, ce qui est de l'or. À l'intérieur, entre autres. Dessus aussi. Cette cloche, elle a été ramenée donc en France. Et nous sommes maintenant à 4 à 4. Elle est aujourd'hui dans la chambre de Monsieur Caro à l'hôtel Normandie. À 4000, à 4000, l'enchère à 4 à 4. Ici à Deauville. À 4000 euros, l'enchère G à 4 à 4000. À 4, à 4000 euros, 4. À 4000 euros, bien. À 4000 euros, l'enchère à 4000. Donc la fille de Dreamhead a acheté 30 000 euros par agence FIPS, Hervé Bunel. Peut-être pour le compte d'Antonio Caro, d'ailleurs. C'est un gros client. De date, également. Bien vu, 4000, fini, 4000, dernière fois. À 4000 euros, pas de regret, nulle part. À 4000 euros, nous sommes à 4000, bien vu. À 4000 euros, dernière chance à 4, fini. À 4000 euros, merci. À 4000 euros, pas de regret. 4000 euros pour un fils de Champs-Élysées. À 4000 euros, pas de regret. À 4000 euros, dernière fois, à 4000 euros. Pas de sujet, Marteau est tombé. La famille maternelle s'est illustrée en Afrique du Sud, au Brésil également. Morte, Flamme Spirit, femelle B, née le 6 mai 2015, par Pedro the Great et Fligan. A noter que la demi-sœur Finalize compte une place supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Pedro the Great, Poulish. Première production d'un vainqueur des Phoenix Stakes à Kinland à 2 ans. Le premier produit, une fille de Panis, s'est placée de Stakes à Newmarket et gagnante à 2 ans en Angleterre. Et la 2 ans de cette année s'est placée à 2 reprises. Combien offre-t-on pour débuter? Saluons les laboratoires Lenker. Combien offre-t-on pour débuter? Une mère par Bering, bon père de mère, 5 000, qui m'appelle 5 000 euros, 5 à 5 000, à 5 000 euros, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 à 5 000, à 5. À 5 000, à 5 000, à 5 000, qui m'appelle à 5, à 5 000, à 5 000, 3, à 3 000 euros, 3, à 3. Allez, nous passons à Flame Spirit, une fille de Pedro the Great, présentée par le haras d'Aigues-Mortes pour le compte du haras des Petits Champs, c'est Karim Belluto et Christophe Gustave, qui ont élevé cette Flame Spirit, qui ont élevé également la grande sœur Fligaz, fille de Panis, qui a été vendue à Osarus. Principale à Newmarket à 2 ans. Et elle s'était placée justement, comme le disait Eric à l'instant, de Listed à Newmarket.
3000, dernière fois, 3000, bien vu. À 3000 euros, qui, 3000, qui m'appelle à 3, 3000, fini. À 3000, merci. À 3000, c'est par nous, Guillaume. À 3000 euros, Guillaume. À 3000 euros. Une enchère pour l'instant. 3, 4, 4, ah, 000, voilà. 4 000, il a dit Guillaume, 4 à 4 000. À 4 000 euros, à 4 000 euros, à 4 000 euros. À la merde. La famille de Falcon Flight, un gagnant de groupe 2. De Flyway. 4000, bien vu. À 4000, fini. 4, 5, 5000, 5000. Maintenant, vous êtes à 5, à 5000. À 5000, Guillaume. 6, 6000, il a dit Guillaume. À 6000, à 6000, Guillaume. À 6000, vous êtes Guillaume. L'enchère à 6000, vous êtes 2, Guillaume. À 6000, bien vu. À 6000, merci. À 6000, pas de regret. À 6000, Guillaume. Karine Belluto et Christophe Gustave, qui sont les éleveurs de Blue Soif et Blue Panis, entre autres. Nulle part à 6000. Qui ont élevé la bonne vocalise également, qui court au meilleur niveau dans les listes, entre autres à Auteuil. On va sans doute en entendre parler cet automne de cette vocalise qui court sous la casaque, 536, la casaque de l'écurie Sagara. Une femelle B foncé née le 14 mai 2015 par Spirit One et Fulgence. Fille de Spirit One. C'est un rachat de dos, c'est Christophe Gustave. Premier produit vainqueur. En face de Karine Belluto. Bonne pouliche au physique, très bonne pouliche. Combien offre-t-on pour débuter pour cette Spirit One qui débute à 10 000. À côté, on voit légèrement, voilà. Il ferait mieux du Radek Morte. À 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000, 5, 5 000, 5 000 euros, l'enchère à 5, à 5 000, 5 000, 5 000 euros, bonne pouliche ici à 5, à 5 000, à 5 000, 3 000. Le Radek Morte, le Radek Petit Champ, le Radek Bolper nous présente désormais... le lot 536, un autre ara fidèle supporter de Francir, entre autres. Pierre Croxel est au tour de ring pour suivre la vente de ce lot, de ce fils, cette fille, pardon, du regretté Spirit One, ce gagnant, pardon, de l'Arlington Million, et malheureusement mort ce printemps, après la mort de Smadoun. Allez, Sablonnet a été amputé d'un deuxième étalon. À 8 000 euros l'enchère, à 8, à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros l'enchère, 10, 9, 9 000, 9 000, 9 000, 9 000 euros pour le, voilà, Patrick Chédeville et Antoinette Tamini, aras du Petit Ailier. À 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, du physique et du déplacement. Qui aperçoit Béranger Bussy également autour du ring, du aras de la Hudrie, qui accueillera, vous l'avez sans doute lu sur Francir ce matin, qui accueillera un nouvel étalon pour 2017, c'est Goken. Ce sera le premier fils de Ken d'Argent à être étalon. Il fera la monte à 5000 euros hors taxe poulain vivant pour 1m60, Goken, je crois. Il est un double lauréat de groupe 3. Gagnant du prix du bois à l'âge de 2 ans, gagnant du prix Texanica à l'âge de 3 ans. Goken, c'est un pur sprinter. On la juge. 11 000, merci. C'est également placé troisième cette année, s'il vous plaît, des Kingston Stakes. Le lot numéro 537, présenté par le Hara de Grand Camp, Riot Smile, Malbé, né le 11 avril 2015 par Riot Choice et Garota d'Aipanema. La mère Parcillerie. Bon, alors, où est le... T'es un fils de Riot Choice. Ah, ça... Poulain qui vient à maturité maintenant. Le fils de Redoute Choice, combien offre-t-on pour débuter? Redoute Choice qui ne cesse de faire des vainqueurs en deuxième saison, en arrière-saison d'année de 2 ans. Combien offre-t-on pour débuter? Bon ben non, Florent, j'ai vu aucune boîte bouger. Fabrique des gagnants, combien offre-t-on pour débuter? Pour le lot précédent. 5000 euros, 5000 qui m'appelle à 5. Redoute-moi, redoute-moi, un fils de Redoute Choice. Il s'appelle pas Redoute-moi, il s'appelle Redoute Me. Un poulain qui va continuer à faire à 5000. Ou My plutôt, Redoute My. Ce poulain est présenté par Eric Lhermitte, un frère de deux vainqueurs. La toute proche famille. À 12 000, nous sommes à 12, à 12 000. Bienvenue Marceau. À 12 000. On parlait tout à l'heure de Goken, c'est un représentant de Guy Parlante qui est toujours propriétaire de Goken. Va soutenir le cheval en envoyant une bonne partie de sa jumenterie. Guy Parlante était également propriétaire d'Avenue Marceau, gagnante de groupe 3. Prix de Maison Lafitte chez Yannick Foin. On trouve Native Kane également, élevé à la Robancière. Pinson également. Le dernier,
Dernier vainqueur de groupe de Guy de Rothschild. 23 000, il a dit 23, à 23 000 euros, à 23 000, à 23 000, bien vu, à 23, à 23, 4, 24 000, 24 000, l'enchère à 24, plus là, à 24 000 euros, l'enchère à 24 000, le redout choice à 24, 24, à 24 000 euros, 24, à 24 000 euros, merci, 26 nouvelles enchérisseurs, 25, il a dit 25, 5 000 finalement, à 25 000, Valentin, à 25 000 vous êtes, à 25 000 Valentin, à 25 000, 26, il a dit 26, à 26, 27, 27 000, 27 000, vous êtes à 27, 27 000, 27 000 maintenant, merci de votre aide, à 27 000, c'est par nous Valentin, à 27, à 27 000, on peut adjuger à 27, dernière fois, à 27 000, Valentin, à 27 000, last time, à 27 000, merci, à 27 000 euros, on adjuge, Valentin, 27, merci, c'est où Valentin? Gentil, Bloodstock. C'est gentil, Bloodstock, Gérard Larieux. Le lot numéro 538, présenté par le Hara du Mézeray, un mâle B né le 12 mars 2015, par Slickly et Gracieuse. Un fils de Slickly qui réussit très bien, Slickly, régulier dans sa production, un second produit d'une mère par mot, Tatir, c'est la souche de Lixirova, de Mélodique, Machour et Miskissi. Voilà, Denio. Voilà Guy Degnaud. Bah oui, c'est vrai, on regarde le portrait de Voilà Degnaud, on pense à Guy Degnaud évidemment, son éleveur, naisseur, propriétaire, entraîneur. Plus jockey, mais était monté par son fils. À 3000 euros, Guillaume Lanchère à 3000, à 3000 euros. À 3000 euros pour le fils de Slickly à 3000, à 3000 euros, un second produit ici à 3000, à 3000 euros. 3000, 4000 maintenant, 4000 maintenant, Bernard Lanchère à 4000, à 4000 euros maintenant, Lanchère est là, à 4000, à 4000 euros maintenant, Lanchère est Ludovic. 4 000, à 4 000 euros, allez-y, 4 000 euros, l'enchère est là à droite, à 4 000, à 4 000 euros, l'enchère à 5 000, 5 000 euros maintenant, Guillaume, à 5 000 euros maintenant, c'est Guillaume, votre enchère à 5 000, à 5 000 euros contre vous, Bernard, à 7 000 maintenant, Bernard, l'enchère à 7 000, à 7 000 euros, l'enchère, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000 euros, oui, monsieur, à 6 000 euros, à 6 000 euros à droite, l'enchère à 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros, oui, oui, 7 000, 7 000 euros en face, à 7 000, à 7 000 euros, l'enchère est là-bas. À 7 000 euros, c'est contre monsieur, mettez 8 000, voulez-vous 8 000, à 7 000, à 8 000, 8 000 euros maintenant, 8 000 arrondis, c'est monsieur, voulez-vous 10 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros, on essaie 10 000, à 8 000 euros, l'enchère est à droite, à 8 000, à 8 000 euros pour le fils de Slickly, à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros arrondis, c'est mettez 10 000, oui, 9 000, 9 000 euros maintenant, 9 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros par vous, Guillaume, l'enchère à 9 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros, c'est Guillaume qui tient l'enchère à 9 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros, il n'y a pas de regret, pas d'erreur, c'est sûr, à 9 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros, l'enchère est là et pas là. Il est battu. À 9 000 euros, l'enchère est là, à gauche, à 9 000. À 9 000 euros dans le passage. À 9 000 euros, Guillaume Lanchère, bien vu, fini. À 9 000 euros, le fils de Slickly. À 9 000 euros, on adjuge. Monsieur Francis-Henri Graffard, merci. Votre enchère, Guillaume, 9 000 euros. Le lot numéro 539, présenté par le Haras de la Hettraie, Fort Bon du Large, mâle B, né le 1er février 2015, par George Vancouver et Gulfstream Lady. Un premier produit d'une mère cadeau généreux ici, excellent père de mère, merceur de Resplendent Glory, la souche de Prince of Lear, Najaba. Et c'est un fils de George Vancouver. George Vancouver, allons-y, le fils de Henry the Navigator. Here we go, 10 000, 5 000, 3 000, 3 000 euros, 3 000. 3 000 euros, bien sûr, 4 000. 4 000 euros déjà plus vaut, Guillaume, à 6 000. À 6 000 euros maintenant, 6 000 euros maintenant, Grégoire. À 5 000 euros, l'enchère à Grégoire, à 5 000. À 5 000 euros, l'enchère à Grégoire, à 5 000. À 5 000. À 5 000 euros maintenant, Grégoire, votre enchère à 5 000. À 5 000 euros, 6 000. 6 000 euros à droite, l'enchère à 6 000. À 6 000 euros, 7 000. 7 000 euros maintenant, Grégoire, votre enchère à 8 000. 8 000 euros maintenant, Guillaume, à 8 000. À 8 000 euros, mettez 10 000. À 8 000. À 8 000 euros, un groupe de pédigrés ici à 8 000. À 8 000 euros, 10 000. À 10 000 maintenant, 10 000 euros, Grégoire, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros. À 10 000 euros maintenant, l'enchère à Grégoire à 10 000. À 10 000 euros. À 10 000 euros maintenant, contre vous, Guillaume, à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère à mettez 12 000. À 10 000 euros. 10 000 euros, c'est contre vous, Guillaume, à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère à droite à 10 000. À 10 000 euros. À Guillaume, c'est contre vous, l'enchère à 10 000. Nous vendons à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère à Grégoire à 10 000. À 10 000 euros. À 10 000 euros, il n'y a pas de regret. 11 000, 11 000 maintenant, 11 000 euros, il est venu à 11 000, à 11 000, à 11 000 euros, l'enchère est à gauche, à droite, à 11 000, à 11 000, à 11 000 euros, Camille, c'est votre enchère, à 11 000 euros, il n'y a pas de regret, pas d'erreur, c'est sur l'enchère est là, à droite, à 11 000, à 11 000, à 11 000 euros, mettez 12 000, 12 000. 12 000 is back now. À 12 000 euros. À 12 000 euros maintenant, l'enchère est là-bas au fond du passage et on va la juger à 12 000. À 12 000 euros, c'est sûr, il n'y a pas de regret ailleurs, Guillaume. À 12 000. À 12 000. À 12 000 euros, ce fils de George Vancouver. À 12 000 euros, issu d'un excellent pédigré. À 12 000 euros, l'enchère au fond du passage. Pas de regret ailleurs. Bien vu, fini. On adjuge. Code Marnay, merci. 12 000 euros. Votre enchère, Grégoire.
Le lot numéro 540, présenté par le Hara de l'hôtellerie, une femelle alsane née le 10 mai 2015 par Moutatir et Hey Hollow Queen. Moutatir. Moutatir et la mère par High Gustoner. La mère est gagnante, c'est son second produit de Hail Holly Queen, gagnante de 4 courses, sa mère. Plus de 125 000 euros de gain, une bonne jument de course. C'est la souche de Roi Gironde, Garandar, Sprawl the Fun. Allons-y pour la fille de Moutatir. Bonne police avec de l'os. Et qui se déplace très bien. 10 000 euros, voulez-vous 10 000? Oui, elle se déplace très bien. 10 000, voulez-vous 10 000? 5 000, 3 000, 3 000 euros, mettez ton chien à 3 000. Oui, 3 000 euros, bien sûr, Grégoire, l'enchaîne est à 3 000. À 4000 euros de jolie police, à 4000, à 4000 euros l'enchère, à 4000 euros 5000, 5000 euros maintenant mettez 7000, à 5000 euros l'enchère est à droite, à 5000 euros, à 5000 euros 7000, 7000 euros l'enchère à 7000, à 7000 euros bien sûr c'est monsieur 8000, 8000 euros mettez 10000, 8000, à 8000 euros arrondissez monsieur à la barrière, 12000 enchères à 12000, à 12000 euros mettez 10 ans, à 12000, à 12000 mettez 14, 14000, à 14000 euros l'enchère à 14000, à 14000, à 14000 euros l'enchère est à 14000 euros pour la fille de Moutatir, à 14000, à 14000, à 14000 euros l'enchère est à gauche à 14000, à la barrière à 14000. Ah, 14 000 euros, il n'y a pas d'erreur. À 14 000, vous ne la laissez pas. Oui, 15 000. 15 000 euros, mettez 16 000. 16 000. À 15 000 euros, nous vendons à 15 000. À 15 000 euros. À 15 000 euros, Grégoire l'enchère. 15 000 euros, l'enchère est à Grégoire à 15 000. À 15 000 euros, c'est sûr, vous la laissez partir, la fille de Moutatir. À 15 000 euros, n'ayez pas de regrets dans la salle. À 15 000 euros, dernière fois, dernière chance. À 15 000 euros, l'enchère est là, je vais la juger à vous, Grégoire. À 15 000 euros. Oui, 16 000 euros maintenant, 16 000, nouvelle enchérisseur, Guillaume l'enchère, à 16 000, à 16 000 euros maintenant, Guillaume, c'est votre enchère, à 16 000, à 16 000 euros maintenant, l'enchère est à Guillaume, à 16 000, à 16 000, à 16 000 euros, l'enchère est votre enchère, Guillaume, à 16 000 euros, vous l'aviez presque, Grégoire, encore un petit effort, à 16 000 euros, c'est 17, si vous voulez, à 6-7, non, à 16 000 euros, l'enchère est à gauche, bien vu, ici, à vous, Guillaume, à 16 000 euros. On a juge. 16 000 euros, bien sûr, merci, monsieur, muchas gracias. Muchas gracias. Le lot numéro 541, espagnol. Le Hara de la Haineuve, Fighting Menanti, malgré né le 19 mars 2015 par Teen Horse et Eléniade. Teen Horse et le frère ici, donc le frère demi-frère de Royal Menanti. Raimé, je ne sais plus son nom de famille, mais c'est en tout cas il s'appelle Raimé. Et encore son 2 ans, Fast Menanti, gagnante. Donc une mère qui produit vraiment très régulière. La souche de Fast and Furious, de High Duty, fils de Teen Horse, les produits ont 2 ans et déjà paire de vainqueurs. Teen Horse, 5 000 euros, voulez-vous 5 000, 3 000 l'enchère minimum, à 3 000 euros, mettez l'enchère à 3 000, voulez-vous 3 000 euros l'enchère à 3 000, oui, à 3 000 euros l'enchère est à vous, à 3 000 euros Grégoire, votre enchère bien sûr à 3 000, 3 000 euros l'enchère, à 3 000 euros j'ai Grégoire l'enchère à 3 000, à 3 000 euros l'enchère à 5 000, à 5 000 euros maintenant, à 5 000 euros Guy 6 000, 6 000 euros maintenant Guillaume à 6 000, à 6 000 euros l'enchère, à 6 000 euros j'ai encore à 6 000, mettez 8 000, à 6 000 euros l'enchère est à Guillaume à 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros Guillaume je laisse faire à 6 000, à 6 000 euros l'enchère est à gauche à 6 000, à 6 000 euros, 6 000 euros l'enchère est à Guillaume à gauche à 6 000, à 6 000 euros. 6 000 euros, nous sommes seulement. 6 000 euros. À 6 000 euros seulement, Guillaume, c'est votre enchère. Oui, 7 000. 7 000 euros maintenant, Tony. À 7 000 euros. Pardon. 7 000 euros. À 7 000 euros, Tony, l'enchère est à 7 000. À 7 000 euros maintenant. À 7 000 euros, mettez 8 000. Voulez-vous 8 000. À 7 000 euros. À 7 000 euros, c'est Tony, l'enchère, bien vu. 8 000, 9 000, 9 000 euros maintenant Grégoire, à 9 000 euros arrondissez, à 9 000 euros arrondissez, mettez 10 000, Guillaume, voulez-vous 10 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros, mettez 10 000, voulez-vous 10 000, Guillaume, voulez-vous 10 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros, mettez 10 000, oui, 10 000. 10 000 euros l'enchère est à gauche à Guillaume, à 10 000 euros l'enchère à 10 000. Ah, 10 000 euros c'est contre vous, Tony, et pas vous, Grégoire, à 10 000. À 10 000 euros, vous laissez partir. Voilà, évidemment, c'est un petit peu plus calme que les 3 derniers jours, cette journée de clôture. N'empêche que nous venons de passer les 10 000 euros avec ce fils de Teen Horse. Fightin Menanti, un des rares produits du Hara de la Haineuve qui n'est pas issu d'un étalon du Hara de la Haineuve lui-même. Le Hara de la Haineuve qui comporte Birgint, notamment, et Pedro The Great, nouvel étalon, aux côtés du très confirmé Hurricane 4. Mais là, il s'agit d'un fils de Teen Horse. À 13 000 euros par mille, si vous voulez, bien vu, c'est fini. À 13 000 euros, enchère à vous. 14, pas d'erreur, au téléphone. 14 000, 15 000 monsieur, 14 000 à droite l'enchère, oui, 15 000, 15 000 euros j'ai 15 000, 15 000 euros j'ai 15 000 là, 16 000, 16 000 euros là-bas, 16 000 euros mettez 17, 16 000 euros c'est Tony l'enchère, 17 000, 17 000 euros c'est au téléphone, pas d'erreur Camille, à 17 000, à 17 000 euros l'enchère, à 17 000, à 17 000 euros l'enchère est là, à 17 000 euros c'est sûr et nous vendons à 17 000, à 17 000 euros, à 17 000 euros merci messieurs, à 17 000 euros l'enchère au téléphone. 18. Arnaud Le Rêtre,
qui travaille occasionnellement, qui fait des missions pour Osarus, qui est en train de manifestement mettre des enchères pour Fighting Menanti, le frère de l'excellent Royal Menanti, un fils de Ken Dehor, gagnant de l'Istod. Si ma mémoire est bonne, il était sous l'entraînement de Joël Boinard, qui a acheté hier d'ailleurs pour ses clients suisses un Docteur Dino à 62 000 euros. Les enchères à 19 000 euros pour ce fils de Tilors, dont les premiers produits ont 2 ans. 20 000 euros. 20 000 euros, voilà, on a remis une enchère. Il est parti. Ah, 20 000 euros, merci pour votre aide en tous les cas. À 20 000 euros, l'enchère est là. À vous, Guillaume, bienvenue. Et la cloche sonne. Et il était temps que la cloche sonne parce que le lot numéro 540. Le marteau est tombé dans la foulée immédiate. Une femelle B pour une née le 9 mars. Tandis qu'on passe au haras de Saint-Arnoult, Larissa Knepp qui nous propose un produit de Dabir Sim. Dabir Sim et la mère par Hernando. Hat-trick donc Dabir Sim, les premiers produits sur Yannick. C'est Étienne Linders. Attention, nous sommes à l'antenne. Étienne Linders qui est en train de signer le bulletin vainqueur. Voilà, qui est là depuis 2 ou 3 jours, Étienne. Et donc, il a obtenu gain de cause pour l'achat de ce fils de Tin Horse, Étienne Linders, qui a des nouveaux clients brésiliens d'ailleurs. À 4 000 euros Tony Lanchet à 4 000 euros maintenant c'est Tony Lanchet à 4 000 à 5 000 euros maintenant 5 000 toujours par vous Tony à 5 000 à 5 000 on mettait 6 000 oui 6 000 à 6 000 on mettait 8 000 à 8 000 voulez-vous 8 000 à 6 000 euros à 6 000 euros maintenant Tony c'est votre enchère à 6 000 à 6 000 euros c'est encore à 6 000 à 6 000 euros à 6 000 euros la d'Abersim à 6 000 à 6 000 euros à 6 000 euros pas de regret ailleurs à 6 000 à 6 000 euros c'est encore à 6 000 à 6 000 euros 6 000 euros, Tony, c'est votre enchère à 6 000. À 6 000 euros, l'enchère est là. À 6 000 euros, c'est votre enchère, il n'y a pas de regret, c'est sûr. À 6 000 euros, c'est encore à 6 000. 7 000. 7 000 euros, bien sûr, monsieur, bien vu. À 7 000 euros, l'enchère est là-bas. À 7 000, 8 000. 8 000 euros maintenant, arrondissez, mettez 10 000. Voulez-vous 10 000, mettez 10 000. Voulez-vous 10 000 ? À 8 000 euros, c'est contre vous, monsieur. À 8 000 euros, essayez 10 000, arrondissez tout de suite, mettez 10 000. À 8 000 euros, à 8 000 euros, oui, 10 000, oui, 10 000, bien sûr, à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère, on arrondit à 10 000. À 10 000 euros pour l'avoir. Tony, c'est contre vous. À 10 000 l'enchère à 10 000, à 10 000 l'enchère à 10 000, à 10 000 euros l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros l'enchère est là, à 10 000 euros laissez-moi faire 10 000, à 10 000 euros l'enchère est à droite, à 10 000 euros, bien vu, fini, à 10 000 euros, voilà, jugé à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, pas de regret, votre enchère à 10 000, bien vu, à 10 000 euros, on a juge, monsieur Philippe Sogor, merci monsieur. Le Sud-Ouest, 10 000 euros, alors voilà, on a une journée qui est plus accessible en termes de tarifs et donc on voit le retour des entraîneurs. Juste avant, il y avait Étienne Linders. Et maintenant, c'est Philippe Sogor. Étienne Linders s'est installé dans l'Ouest. Et Philippe Sogor s'est installé dans le Sud-Ouest sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan et le centre d'entraînement également de Mont-de-Marsan qui vient de se faire adjuger le lot précédent. Le 542 par Dabir Sim, la pouliche, la nièce de UNFR à 10 000 euros. Tandis qu'on vous signale que vous pensez à faire les... vous pouvez faire votre publicité anticipée, pardon, le fait de faire votre publicité, notamment pour la vente de décembre, mais aussi pour la vente de novembre. Hein, nous allons mettre les bouchées doubles pour la vente de novembre, puisque cette vente, notamment consacrée à l'obstacle, monte considérablement en gamme. Hein, je crois qu'on a vu avec les résultats de l'an dernier que les ventes de novembre avaient pris une vraie place sur le calendrier, une place majeure sur le calendrier, notamment des ventes d'obstacles en Europe. Donc faites votre publicité pour les nouveaux étalons, notamment pour votre élevage, pour votre débourrage, pendant les ventes de novembre. Voici donc une fille de Motivator qui est ici, présentée par le rat de Montaigu, Sybil Gibson, les Foriens, la fille de Motivator et Hill of Grace. Petite fille de Tikkunz Dolce, une belle souche. Pas Motivator, le père Strauss. À 3000 euros. Mais il n'y a qu'une seule enchère à 3000 euros. La mère, elle a fait 3 lauréats pourtant, avec 5 chevaux en âge de courir. C'était pas mal du tout, mais c'est à seulement 3000 euros que cette pouliche qui est, c'est vrai, assez légère et qui a le port de tête altier. Est vendu. Alors maintenant, on va passer à une fille de Wootton Bassett. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus à la mode parce que Wootton Bassett est le père d'Almanzor. Avant, on avait Motivator qui était le père de Trèves. Maintenant, c'est le père de Almanzor. Tandis qu'on jette. On salue notre ami Philak Dancing, un vrai Galiléo à portée de main, ce qu'Almanzor a couru et gagné les Irish Champions Stakes et les Champions Stakes d'Angleterre, mais il n'a pas disputé le prix de l'Arc de Triomphe. Prix de l'Arc de Triomphe qui finalement
a été l'occasion, le théâtre d'un incroyable triplé de la part de Galiléo avec Found et ses deux poursuivants également issus de Galiléo qui ont fait donc le triplé pour Aidan O'Brien dans le prix de l'Arc de Triomphe. Galiléo étant le père, bien sûr, de Phil Dancing, le jeune étalon du Haras du Lion. Wotan Bassett et I'm a Heartbreaker. Je suis un briseur de cœur, pourrait dire de lui-même Loïc Stecher. Non, j'en parle à la stagiaire pour savoir si Loïc Stecher a brisé ton cœur, petite Victoria. Pas encore, mais vous voyez, il y a l'espoir, l'espoir demeure. Une fois de plus, Loïc Stecher va rester invaincu dans le registre de la brisure de cœur. Ici Richard Powell, du Haras du Lieu des Champs. À 4000 euros, c'est contre vous, Tony, à 4000. Qui est en train de suivre cette vente à 5000 euros quand même de la fille de Wotan Bassett. J'imagine qu'il en espérait un petit peu plus. Mais voyez-vous comme ça, c'est comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de black type sous la troisième génération. À 4500, la fille de Wotan Bassett à 4500. À 4500, à 4500 euros, nous vendons. À 4500 euros, bien vu. Prêt, signé du père pourtant. 5000 euros maintenant, l'enchère est à 5000, à 5000 euros l'enchère est là, à 5000 euros toujours à droite l'enchère à 5000, à 5000 euros, à 5000 euros c'est fini, à 5000 euros mettez-vous l'enchère à 5000, à 5000 euros l'enchère est à droite, à vous Camille, merci pour votre aide, à 6000 euros l'enchère à 6000, à 6000 euros l'enchère à 6000, 500, ouais, ça va durer longtemps, 5500 mettez 6000, 6000 euros, à 5500 mettez 6000 Camille, à 5500 voulez-vous 6000, à 5500 voulez-vous 6000, mettez 6000, à 5500, la fille de Wotan Bassett, à 5500 euros, 6000, oui, 6000 euros l'enchère à 6000, à 6000 euros, bien vu, fini, à 6000 euros, nous vendons à 6000, à 6000 euros, à 6000 euros, il n'y a pas de regret, pas d'erreur, c'est sûr, à 6000 euros, à 6000 euros, votre enchère Camille, à 7000, 7000 euros l'enchère à 7000, 7000 euros l'enchère est là, 7000. Mais ça monte, hein, finalement, on est parti péniblement à 3000 euros, on décollait pas, et puis nous l'a rendu à 8, dis donc. Non, 7, je m'enflamme. Pouliche qui s'appelle Yale, une grande école. Là, on n'ira jamais. 8000 euros, tandis que Loïc Stecher revient. La mère s'appelle I'm a Heartbreaker. Un briseur de cœur, c'est Loïc Stecher. J'y ai pensé tout de suite. Hein. 9000 euros, bien sûr, à 9000. À 9000 euros, arrondissez, monsieur, vous devez 10 000. À 9000. À 9000 euros, mettez 10 000, on met 10 000. À 9000 un filet dancing qui va avoir un produit tout à l'heure à vendre, c'est pour ça que. Loïc était parti le prendre en photo. Filet dancing, c'est le cheval qui est à droite. Et. Il est parti prendre en photo, ce sera son premier produit à présenter aux ventes en octobre. Un neveu de Saunois, le 575. N'attendez pas, dernier moment. À 12 000 euros. À 12 000 euros, le marteau va tomber. À 12 000 euros, mettez 13 000. À 12 000 euros. À 12 000 euros, Tony, encore un petit effort. À 12 000 euros, pas de regret. Bien vu, fini. À 12 000 euros, on a juge. Camille, votre enchère 12 000. Le lot numéro 545, présenté par le Haras de Montaigu, Ilesia Jode, femelle B, née le 20 février 2015 par Tin Horse et Inanga. A noter que cette pouliche est vendue sans TVA à hauteur de 50%. This filly is sold without VAT for 50%. Donc, fille de Tinors, la mère par Oasis Dream, excellent père de mère Oasis Dream. C'est vendu à 12 000 euros. D'une mère sœur de Hill Chambers. On a vu Richard Powell de dos. Remercier l'acheteur pour Yale. De Stone Stone. Et donc, on débute à combien pour ce belle pouliche avec un beau travers, fille de Tinors. 3 000 minimum, en cher minimum, 3 000 euros. J'ai testé si ça marchait bien, Samoa. Elle a une belle tête cette pouliche, fille de Tinors. Idesia Jode. À 3000 euros, à 3000 euros pour la fille de Tinors, à 3000, à 3000 euros seulement. La fixe Jode, c'est la baronne Marie-Louise Van Deden. La femme de Pierre Joyot. Ah, le décorateur. De trêve, décorateur d'extérieur. Comment elle s'appelle, la baronne ? Marie-Louise Van Deden. Ah, il connaît, c'est un véritable Stefan Bern, ce Loïc Stecher. Il connaît toutes les baronnes et toutes les familles royales de France, et non pas de Navarre, mais aussi de Belgique hein, ou d'Allemagne, hein, tout ce qui est les faunes, hein, c'est Amélie von Leitner notamment. Et.
Et on va juger. Mais cela est important parce qu'effectivement, dans le monde des courses, c'est très important de connaître par cœur les acteurs. Nous voyons ici Zied. Ah bah Zied, notre ami tunisien, Zied, il est boiteux. Ah bah il est boiteux. Parash Saman et Indian Princess. Pauvre Zied. Ça va Zied? Ah, il est boiteux, dit. Ah bah oui, terrain trop léger, hein. Terrain trop léger et tordu, voilà. Une banane. Une banane. Une banane. Ah bah oui, bah faut le prendre comme ça, qu'est-ce que tu veux mon vieux. Le 546, oui, présenté par le rat de Pierre-Pont, voyez-vous. Voici David Vindriff, qui est un excellent entraîneur et un acheteur judicieux, et qui a acheté pour 5000 euros. Il prend pas grand risque, la fille de Raj Saman qui passait juste avant. Nièce de Indian Beauty. Indian c'est la Tinors. La Tinors. La Tinors, pardon, oui, monsieur. Et la famille de Inch Chambers, Radrom, CD Europe. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. À 4000 euros, qui met 5000? Pas de poulet ici, très sérieuse. Le père de Bramto. 4000 euros seulement, vous êtes à 4000, à 4000 euros. À 4000 euros, elle a du rayon. À 4000 euros. Elle a du rayon. À 4000, à 4000 euros, bien sûr, ah bien oui. À 4000 euros, il faut mettre 5000. À 4000. La nièce d'Indian Beauty et d'Indian Cat, des pouliches de qualité, malgré leur père. Hein, parce qu'Indian Cat, franchement, c'est une fille de One Cool Cat qui a été exportée en Corée du Sud le plus vite possible par Coolmore. Et One Cool Cat qu'on va aller voir hein, lors de notre voyage en Corée du Sud, le X-Déchir. Après Hong Kong. Après Hong Kong et avant la. Peut-être. La Corée du Nord. Eh ouais, mais je suis partant. Ouais. Ah oui, ça a toujours aimé l'ordre. Et Pyongyang, dis donc. On sait jamais avec les chevaux, peut-être qu'on pourra y arriver à rentrer dans ce pays de fou furieux là. On est bien allé au Turkménistan. Alors, le 546 à 5500 euros. Effectivement, c'est moins la fête du slip qu'hier et avant-hier hein, au niveau des enchères. Voilà. À 5500 euros. Tout, ben, les trois premiers ont été achetés 3000 euros. Les trois premiers lots de cette journée. Ça faisait plutôt. Ce sera plutôt ça. Ah. oui. Alors que c'est vrai que pourtant on est là pour quoi? On est là pour. Approchez, messieurs dames, s'il vous plaît. Approchez. À la vente aux enchères. Préparez la monnaie. Moi, je suis là pour vendre et vous, pour acheter. Des lots exceptionnels, des prix exceptionnels. Du rêve pour pas cher, à la vente aux enchères. Hey. Tandis que notre jeune stagiaire est favorable aujourd'hui pour mettre des enchères. Non pas sur le cheval, mais sur le lad, elle vient de me le dire. Elle est passée de Loïc Técher, qui n'avait pas encore brisé le cœur, disait-elle, en disant le rugbyman en rose, là, je veux bien le croquer celui-là. Et ben bravo, voilà. Merci, bravo. Elle m'a dit jusqu'à 10 000, il est pour moi. La diablesse. Ah oui. À Dominique, non? À 3 000 euros. À 3 000 euros l'enchère, à 3 000. À 3 000 euros. Peut-être qu'il coûte plus cher que son cheval, parce que là, nous en sommes à 3 000 euros pour le fils de Rio de la Plata, présenté par le Hara Delon. Thierry de la Héronnière. Bon éleveur, Thierry de la Héronnière. Et c'est un fils d'intolérance, ce qui est un nom un peu bizarre, c'est vrai. Mais qui est elle-même fille de Moyava, famille de Monastella, Special Quest, une famille Vertemer. Hein, Moyava avait remporté le critérium de Maison Lafitte à l'époque. Les chevaux de Vertemer étaient entraînés par qui? Kéten Marek. De même que Special Quest, attends, c'était Lafon Parias ou Cricket? Ah, je sais, j'ai un doute. Je sais pas, l'oreille du critérium de Saint-Cloud. Mm. Red Stella, c'était Carlos Lafon Parias. À 6 000 euros, c'est votre enchère, Dominique, à 6 000. À 6 000 euros. Non, mais la question est de savoir combien coûte notre stagiaire. Combien coûte. C'est ça. Combien coûte notre stagiaire? Bon, on va la défendre. Ben oui, évidemment. Ouais. Sur la mêlée, ça va nous coûter cher en frais de rachat. Alors, le 547, donc. Signé de Rio de la Plata. Alors Rio de la Plata, oh bah tiens, attends-moi, regardez, il y a une jolie assemblée ici autour du ring de Deauville. Notre cadreur qui est musicien, hein, donc forcément, il a des tendances. On ne sait jamais, c'est peut-être une de ses groupies. C'est peut-être une de ses groupies, ah oui, le trio Rutabaga, c'est quand même notre cadreur Fabien Guillotto est une vedette. Hein. Alors je n'ose pas dire une ancienne vedette de la chanson, bien que ce soit un peu le cas, il ne nous entend pas heureusement. Avec le Rutabaga et tout ça, la Zikabilo, hein, tout ça c'est quand on était jeune, on fumait des pétards à l'époque. Un grand groupe de reggae de 12 personnes. Maintenant il fait des mariages, dont le mien.
les soirées anglo. Mais c'est très bien, il est content de venir. Et donc le cadre pour aller repérer des belles gonzesses de la jeune bourgeoise. Autour du ring de Deauville. Excusez-nous. Alors, autour du ring de Deauville. On est très fatigués. Oui, très. Ah bah oui, bah pourtant on a poché Hervé, mais du coup, on est obligé d'amener nos propres bières. Alors, le Harald, un peu de sérieux. Oui, bah, je demande que ça, tu connais. Évidemment. À 8000 euros, on a vendu le lot précédent. Rock de Casbah, Rock de Casbah, Rock de Casbah. Le présenté par Laura de la Crossonet, des fameux musiciens également, est une fille de Rock au Gibraltar et Capiroska. Miam, 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 Capiroska, c'est bon ça. Par Mutatir et tout voit, Capiroska était une bonne pouliche. Le XT Cher, troisième du Grand Prix de la Vallée de la Mayenne à Cran. Et de la famille de Tuzla, de Toscanini, de Kragina. Alors Tuzla, elle a ce côté particulier, c'est une fille de panoramique, étalon des haras nationaux, et elle a remporté un groupe 1 aux États-Unis. Ce fut un moment historique, car ce fut la première fois dans toute l'histoire des haras nationaux, une histoire qui s'est arrêtée depuis, hein, du coup il n'y aura plus, que nous avions un produit d'un étalon des haras nationaux qui remporte un groupe 1 en plat. Un groupe pain en plat. Ah oui, d'accord. Oui, Cyrus Desaix, c'était après. Ça n'était pas encore arrivé en France non plus. C'était pas encore. Non. Bah non, parce que les rats nationaux, ils avaient des chevaux vraiment pour l'obstacle. Mmh. Et donc, c'est Tuzla qui a réalisé cet événement à l'occasion du Ramone Handicap. Il aime beaucoup les blondes de notre cadreur, très parce que là, il a changé de blonde, ouais. Mais pour une fois, là, il fait un plan fixe, il n'a pas de problème de diaph ni de point. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Ouais. 18 000 euros, trait de plaisanterie. Oui, déjà. Belle souche maternelle, Villa très Molitor solide. Aussi. Ça, c'était une souche, c'est marrant parce que je sais pas ce que de ça fait chez la croix qu'on est. Ouais, ouais, ouais. Ah là, oula. Savigné, tournoi, ouais, tout ça, ça a été toute voix. La première mère, c'est une. C'est une Molpère, ça, ouais. Élevé Molpère, ouais. On a juge. 20 000 euros. Guillaume, c'est votre enchère. Le lot numéro 549, présenté par le Harald. Qui petit en face. Le 31 mars 2015 par Authorized et Lady Anouk. C'est le bon à 20 000 euros. Authorized qui réussit très bien. Le voilà, qui petit, il en a fait tomber son catalogue. Prometteur, étalon prometteur pour l'obstacle Authorized. Un beau poulain ici avec du cadre, un beau poulain avec du cadre, un premier produit de Lady Anouchka gagnant de 4 courses. Et on a vu Noël. Caminos de Recital Racinger. Chic poulain, élégant, crafty. Vous dites 5000. Propriétaire du haras de la Croissonnet. C'est bien Noël Osley, la propriétaire du haras de la Croissonnet. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. On l'a vu avec qui petit. 10 000. Authorized. Voilà un étalon que j'aime beaucoup, Authorized, présenté par le haras de l'hôtellerie. C'est un mâle né le 31 mars. Très très beau cheval noir, comme l'ébène. Et Lady Anouchka, la mère, par Vettori. Famille de Corre Caminos, Recital, Racinger qui va devenir étalon. Enfin, il va plutôt redevenir étalon d'ailleurs, pour être tout à fait précis, à Corlay, parce qu'il était installé à Corlay il y a 2 ans. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. Enfin, en 2015. En 2015, oui. En 2016, il était. Ouh là là. Cercy. Et ce beau fils d'Authorized, le cousin de Racinger, fait monter les enchères à 22 000 euros désormais. Premier produit d'Eddie Anouchka, elle était bonne, Eddie Anouchka, une fille de Vettori, un étalon solide qui a fait toute sa carrière. Non, la deuxième partie de sa carrière d'étalon au haras de la Reboursière et du Montaigu. Maintenant, on dit ça le haras du Montaigu, mais de Montaigu, c'était tout court. À Montaigu. À 25 000. À 25 000 l'enchère et là-bas au téléphone, pardon, Gabriel. Attends, c'était pas à côté de. Excuse-moi. Vas-y. Non, je disais Montaigu, pas à côté de Nantes. Pas, hein. À côté de Nantes, pas de Nantes à Montaigu. La digue. Non, rien à voir. Monsieur Allard, merci, votre enchère. Monsieur Daniel Allard, le copropriétaire de Punch Nantais. Exactement. Voilà, associé, grand ami de. Montgermont, oui. Par Cinda, Franck Turek. Exactement. Et Daniel Allard, très ami avec Guillaume Mackay. Il était à ses 60 ans. Surprise. Le voilà, Sindar. Sindar, de retour au haras du Lion l'année prochaine. Enfin, oui, c'est ça, en 2017. Il a fait 120 juments pour sa première saison au Lion en 2016. Et puis, je peux vous dire que le Sindar, il a. Tant qu'il agit là maintenant, il aura 20 ans l'année prochaine. Il a 17 ans là. Il a gagné l'Arc 2000.
Eh ben, ouais. Ouais, ben, il est chaud comme une braise. Ah, tu le sors du box Ah, il est, il est chaud comme une braise. À 19 ans, 120 juments, ça a été pour lui une rigolade. Étalon mixte, effectivement, paire de gagnants de groupe 1 en plat, paire de gagnants de groupe 1 en obstacle. Tout comme Authorize d'ailleurs. Tout comme Authorize. D'où la chasse, sans doute, de Daniel Allard pour placer ce poulain sur l'obstacle après. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Avec le modèle qui va bien. Authorize fait beaucoup de gagnants en obstacle, effectivement. 10 000. Ah bah c'est un bon papier ça, ce lot 550, le frère de grand couturier. On parlait tout à l'heure du Haras de la Croissonnée. Grand couturier, il avait fait une ou deux saisons de monte au Haras de la Croissonnée. Oui, de retour des États-Unis, ce cheval. Voilà, dans les acheteurs du lot précédent, c'est bien ça. Hein. Voilà, qu'on aperçoit là dans le fond. Et où en suis-je, 12 000 euros, le frère de grand couturier par Sindar. Alors pourquoi. Pourquoi Sindar après avoir admis Grand Couturier? Tout simplement parce que Grand Couturier était un fils de Grand Lodge. Or, Sindar est un fils de Grand Lodge. Le numéro 550. Pas con, hein? Il y en a là-dedans. Il y en a là-dessous. Il y en a dans le casque. Ça bouillonne sous la cafetière. Ah bah dame. Ocean Sheridan compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition. Stormy River, Stormy River. Ah! Stormy River. Étalon injustement méprisé. Par, l'élite commerçante, je dois dire. Stormy River. Un étalon remarquable. Bon mot, ouais. Ouais. Un étalon tout à fait remarquable, Stormy River, qui s'est installé au Rat Saint-Arnoux cette année après avoir débuté et fait toute sa première partie de sa carrière au Hara des Tréants. Qui nous cherche là ou quoi? Et il nous cherche, Pierrick Moreau. Voilà. Il va nous mettre des enchères d'ici la fin de la journée, ça c'est sûr. Stormy River est le père de ce mâle gris, comme Stormy River d'ailleurs, présenté par le Hara des Sablonnais. Et le voici, Pierrick Moreau. Toujours en forme. Toujours en forme. Là, je le sens prêt à faire des bêtises. Là, il va remonter tout à l'heure aux enchères. Incro. Et je suis persuadé qu'il va nous en mettre quelques-unes pour rigoler. Nous, on rigole moins dans ces cas-là, mais lui, ça le fait marrer. De signer le bon. Lui, ça fait le marrer. Mais, hein. Ah, c'est le numéro, c'est Julie qui vient chez AZ1000. C'est le numéro 8000 au fond du passage. Attends, c'est pas ça que je voulais mettre. À 8000 euros, c'est contre vous, Julie, à 8000. Humeur 8000. À 8000 euros, fini, Julie. À 8000 euros, c'est contre vous. Vous le perdez. Le fils de Stormy River, 9000. Ouais, parce que ça a beau être que 8000 euros, 9000 euros. Il fallait sortir. Ça fait des sous. Stormy River qui a réalisé une superbe année cette année. Dès le mois de janvier et février, il avait donné deux canyons de Listed à Cannes-sur-Mer, dont Storm River. Storm River élevé par Jean Birabin. Jean Birabin en personne. Jean Birabin en personne, exactement. Oh. Storm River, c'est un cheval qui a été élevé par Jean Birabin. Un fils de Stormy River. Et Larissa Knipe m'a dit hier que Stormy River allait rester chez elle en 2017 et surtout au même tarif. Ah oui. Elle monte à 3000 ou 3500 euros seulement la saillie. Oui, c'est accessible. Ah, des blondes. On a juge. 14 000, c'est Guillaume Blanchère. Merci. Père de sans équivoque. Le numéro 500. Et gagnante du critérium de Maison Lafitte il y a quelques jours. Le 28 mars par Evasive et Liberty in Love. 12 000 euros pour qui d'ailleurs? 14 000 euros. 14 000 euros pour. Ah, il est là derrière. C'est. Ah oui, c'est. Comment il s'appelle? Ah, je connais que lui, propriétaire chez Guichet. Gérard Lancry. Gérard Lancry, voilà. Chez Martin Bonnet aussi. Exactement. Twice. Now, donc, fille évasive. Allons-y, 3000. Ah bah justement, on parlait de Jean Birabin tout à l'heure. Bon, avec. Oh, bah dis donc. Malaise qu'on s'en fait après. Ouais. Il a l'œil, le cadreur. Ah, bah oui. Bah oui, parce qu'il est chanteur dans la vraie vie. Il est guitariste. Donc, à chaque fois, il est devant la scène et il y a toutes les gonzesses qui sont devant lui. Alors, ouais, il a l'habitude de repérer. Il repère. Ah ouais. Ah bah, ça, c'est une déformation professionnelle. C'est pas de sa faute, hein. On peut rien lui reprocher. Ah, il le fait pas exprès. On peut rien lui reprocher, ça, c'est sûr, monsieur l'agent. Alors, le Haras de Doumy, c'est Jean Birabin, d'ailleurs, qui nous présente cette fille de Evasive et Liberty in Love par Statue of Liberty. La mère a déjà produit deux vainqueurs, dont Liberty River. Un fils de Stormy River, justement, qui est gagnant à 9 reprises. C'est la nièce de Kelty in Love. Et donc, petite fille d'Ever in Love. On a eu le même pédigré tout à l'heure. On a eu un produit d'Ever in Love qui a été vendu tout à l'heure. À 14 000 euros, tout est à droite. À 14 000 euros, fini. 16 000.
16 000 euros. 15 000, tout est à refaire. J'ai 15 000 euros par Valentin. À 15 000 euros, c'est Valentin l'enchère et Laura, tout est à refaire. À 15 000 euros, que dit-on? À 15 000 euros, tout est à droite. À 15 000 euros, 15 000 euros, valeur à 15 000. À 15 000 euros, fini Laura, c'est sûr, dernière fois. À 15 000 euros, vous voulez partir, 16 000. Il y a Hervé Bunel qui a mis l'enchère. À 16 000 euros, que fait-on à 16 000? Hervé Bunel a mis l'enchère. Rien à droite, c'est Laura l'enchère. À 16 000 euros, l'enchère par Laura. Fini Valentin. Ah non, il s'en va. Le marteau se lève. À 16 000 euros, fini. À 16 000 euros, on adjuge. Laura, 16 000, votre enchère, merci. Le numéro 553, présenté par le Hervé Bunel s'est emballé finalement. Il y a peut-être Charles Gourdin qui a mis. C'est Charles Gourdin. Son demi-frère pour toi, Marco, compte une victoire supplémentaire. Bravo, 16 000 euros. Depuis l'apparition. Pedro the Great, les premiers produits de Pedro the Great. Le poulain a été élevé dans le sud-ouest, il va rester à l'entraînement dans le sud-ouest. Donc, saluons le produit phare de Lenker, c'est Gastric Calm pour le confort gastrique. Allons-y, à combien de butons ? 3000 euros. 3000 euros pour des. Le référent de Lenker, c'est Pascal Bonhomé. Le voilà, Charles Gourdin. 5 000 euros, 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 5 000 euros. On parlait tout à l'heure des fidèles supporters de Francir. À 6 000 euros, à 6 000 euros. Je pense à Jean Birabin. Je pense à Alain Régnier également du Haras de la Haineuve. Qui nous présente Lou Pedro, un fils de Pedro the Great et de Loupana. Qui a une note de 8 courses, cette fille de Lou Solitaire. C'est une vraie. 10 courses, même 2 en obstacle également. Et elle est la mère de 2 vainqueurs. 3 produits seulement en âge de courir. Famille de Golden Steel, de Golden Marvel, Dante Rimi et Bernet. Hard Rim également plus récemment. À 11 000 euros, rien à d'autre à 11 000. À 11 000 euros, les premiers Pedro the Great. À 11 000, à 11 000, à 11 000, à 11 000. À 11 000 euros, c'est plus vous Laura. À 11 000 euros, rien à droite. À 11 000 euros, c'est Guillaume qui donne chez 11 000. À 11 000 euros, 12 000. 12 000 euros. À 12 000 euros, c'est votre enchère Laura à 12 000. À 12 000 euros. À 12 000 euros, rien à gauche à 12 000. À 12 000 euros, Christian Guillaume à 12 000. Christian Baillet qui est. Ben là, qui s'en va d'ailleurs. À 12 000. À 12 000 euros, l'enchère est par Laura. 13 000. 13 000 euros, mettez 15. 13 000 euros, mettez 15, Laura. À 13 000 euros, c'est contre vous. À 13 000 euros, c'est 15. À 13 000 euros. À 13 000 euros, Laura, c'est contre vous. Et Guillaume, je ne vous entends plus. À 13 000 euros, l'enchère à droite. Alexis l'enchère. À 13 000 euros, fini. À 13 000 euros, dernière fois. Je pense que ça va être acheté à 13 000 euros. 13 000, Alexis. Votre enchère, merci. Et le sous-enchérisseur, c'est Damien de Vatrigan, est allé voir directement Alain Régnier pour voir qui mettait des enchères dans le couloir. Alain Régnier s'était caché dans le couloir. Mère Anaba, Motivator, Mère Anaba, c'est le croisement de Trèves, le même croisement que la championne Trèves. Et je peux vous dire qu'on commence à discuter à l'amiable. De Café Society. Le même croisement que Trèves, effectivement. D'une souche Kenney. Ce n'est pas le Kenney qui nous présente cette fille de Motivator qui est nommée Trega. Allons-y, 3 000 euros. 3 000 euros pour débuter, 3 000. 3 000 euros pour des enchères. À 3 000 euros, il faut débuter. C'est Marie-Laure Collet. Tu arrêtes Claire Fontaine qui nous présente cette fille de Motivator. 3 000 euros, c'est pas 3 000. Sœur de Santorina. Santorita, c'est la première gagnante de Trajano. 3 000 euros, 3 000. Trajano qui fait désormais la monte au Warat de la Barrelière. À 5 000 euros, c'est Julie, on cherche à 5 000. 5 000 euros, après avoir débuté sa carrière d'étalon au Warat des Barrets. Chez Nicolas Simon. Nicolas et Isabelle Simon qui ont un partant de groupe 1 dans quelques jours. C'est Prince. Comment il s'appelle? C'est Prince. C'est un fils de Raj Zaman, Prince Holodig. Holowig. Voilà, Holodig. C'est dans un conte allemand, m'a-t-il dit, ça vient de ça. Ouais, exactement. Ce fils de Raj Zaman sera au départ du critérium de Saint-Cloud le 30 octobre. Dimanche en 8. 16 000 euros, j'ai 16 000. À 16 000 euros, Motivator, mère Anaba, le croisement de Trèves. 16 000 euros, à 16 000 euros, Julien. De la famille de Marshall, monétaire. Mutin également. Juste Kentucky Dynamic qui a été acheté 700 000 euros par Sheik Hamdam. Invaincu à 2 ans, 2 courses chez Cricketed. Ce mutin avait ensuite gagné. Il avait ensuite gagné l'Eastud à l'âge de 3 ans. Prix de Pontarmé. 22 000, à 22 000 euros contre vous, Julie. À 22 000 euros, l'enchéré par Valentin à droite et à gauche. 24 000.
26, j'ai 24 000 euros contre vous. À 24 000 euros, mettez 26. À 24 000 euros. À 24 000 euros, la ligne est coupée. À 24 000 euros, merci de votre aide. À 24 000 euros, l'enchère à gauche. C'est Stan qui tient l'enchère contre vous, Julie. À 24 000 euros, dernière fois, et le marteau se lève. À 24 000 euros, vous la laissez partir, la fille de Motivator. À 24 000 euros, fini. On va juger à 24 000 euros. C'est un croisement qui a déjà marché, évidemment. Il y a Trève, mais il n'y a pas que elle. C'est un croisement qui a marché dans cette famille-là, puisque Café Society, qu'on retrouve sous la deuxième ère, est lui aussi un fils de Motivator. Il est encore placé de groupe cette année. De groupe 3, de groupe 2. À noter également que son demi-frère Maybe Davis compte une place supplémentaire depuis l'apparition. Et oui, le 2 ans est placé depuis l'apparition du catalogue. The 2-year-old was placed since the catalogue was printed. La fille de, pour moi, petite fille de mon jeu, Mère d'Anzili, la veille de Marotta, Mariella. Et bien, on parlait de chanteurs et de musiciens tout à l'heure. Les Davis, ça c'est... tu oublies le nom ? Claude Quillier. L'éleveur de l'éleveur des Davis. 5 000 euros contre vous. À 5 000 euros. À 5 000 euros, c'est Grégoire qui dit un cher à 5 000. Et de ce fille, cette fille de pour moi. C'était le nom de son groupe à Claude Quillier. Stan Davis ou un truc comme ça. C'était le chef d'orchestre. De comment il s'appelle ? Laisse-moi t'aimer toute la nuit. Laisse-moi. Mais si, ce chanteur israélien qui chantait merveilleusement bien en français, qui comprenait pas ce qu'il disait. Bref, je sais pas. Ouais, t'étais pas né, ça c'est sûr. Moi non plus d'ailleurs. Laisse-moi t'aimer. À 9 000 euros, il faudra arrondir. À 9 000 euros, mettez 10, Julie. À 9 000 euros, c'est contre vous. 10 000 euros, bien vu. À 10 000 euros. À 10 000 euros, Guillaume, c'est contre vous. À 10 000 euros, Guillaume, ce n'est plus vous. À 10 000 euros, rien à gauche, à 10 000. 10 000 euros, 10 000. 10 000 euros, 10 000. 10 000 euros, 10 000. À 10 000 euros, Julie, c'est votre enchère. À 10 000 euros, et nous vendons, pas d'erreur, dernière fois. À 10 000 euros, le marteau se lève. À 10 000 euros, 11 000. 11 000 euros. À 11 000 euros, toujours Julie, par vous et contre vous, Télé Second. À 11 000 euros. À 11 000 euros, vous êtes deux. À 11 000 euros, Guillaume, c'est contre vous, Guillaume. À 11 000 euros, fini. À 11 000 euros, dernière fois, l'enchère en face, 12 000. 12 000 à 12 000, 12 000 à 12 000, 12 000 à 12 000. À 12 000 euros, que dit-on au téléphone ? À 12 000 euros, vous êtes deux. À 12 000 euros, à 12 000 euros, c'est contre vous, monsieur, au téléphone. À 12 000 euros, fini au téléphone. À 12 000 euros. Oui, j'ai renversé la boîte de bonbons, désolé. Ah, il y a tic-tac partout. Arnaud Poirier dans la place. Faut rien me mettre dans les mains. Monsieur Lotou, Christophe Lotou, qui a gagné hier. Christophe Lotou, le breton Christophe Lotou qui vient d'acheter à 12 000 euros le lot 555. Et avec son propriétaire Michel Delaunay. Ah oui. La fille de Captain Marvelous, Mercandor, la famille d'Aquadamor, de la semaine. Allons donc prendre le la voiture. Automobile. Patrick Lemarié. Allons faire un tour à Nantes. Ah oui. Indispensable de région nantaise. 500 véhicules. Fournisseur de la Francière Mobile, fournisseur de la Loïc Mobile, Patrick Lemarié. Il fournit tout Arcana également. Ah oui, tout Arcana, ah ouais. Tout Osarus. C'est Patrick Lemarié du Temple Automobile. Mike Brandt évidemment, Alexandra Ardouin, notre secrétaire fidèle qui est une grande fan de Mike Brandt. Merci Alexandra, bisous. Ciao. Laisse-moi t'aimer. Pardon, excusez-moi, je suis passé d'avoir, oui, toute la nuit. Laisse-moi. C'est pas ça ? 10 000 euros, c'est votre enchère, Julie, à 10 000. Ah, je préfère ça. C'est vachement plus jeune, t'as raison. C'est vrai. 11 000 euros, fini, Julie. 11 000 euros, c'est contre vous. Vous la perdez, la fille de Captain Marvelous, nous vendons 12 000. Ah, Yann Lerner a mis l'enchère à 12 000 euros. Cette fille de Captain Marvelous, un fils d'Invincible Spirit qui avait commencé sa carrière des talons au Ras des Fontaines chez Thierry Abadie. Et il est venu plutôt en Normandie. Finalement, désormais au Ras de Saint-Arnoult. Côté de Stormy River, c'est Yann Lerner qui a eu l'enchère à 12 000 euros. C'est l'origine de chez Pascal Ménard, c'est elle qui avait élevé Makai
Ma petite Kai. Poukai, Kenkai. Ah, c'est des chevaux, ça. Pascal Ménard, donc, au Haras du Mas, qui a vendu le Haras du Mas, qui a vendu le territoire. Le Haras du Mas qui s'appelle maintenant le Haras des Trois Chapelles, acheté par Peter Venard et Liz Bulbrook, qui sont les propriétaires de la marque d'aliments Baileys. Ils installent 25 juments et un étalon supplicante que tu vas aller voir demain. Demain, exactement. Et que tu vas permettre au peuple français qui France est entière. Pendu à tes lèvres, à ton appareil photo. De découvrir avec plus de goût cet étalon, fils de Kailachi. Un fils de Kailachi, Kailachi. Et voici donc un fils de Sri Putra, pas du tout, c'était celui d'avant. Non, c'est celui-là, Sri Putra Super Powers, un peu, ça fait penser à Mike Powers, Austin Powers plutôt. Austin Powers, ouais. Et Margie Queen, présenté par le Raduissa. Super Powers, c'est le frère cadet de Pietra Santa, une fille d'acclamation, très bonne. Tiens, Pascal Ménard, elle est là, avec les lunettes. À 10 000 euros. Où en étais-je? C'est la sœur, le frère de. Très bonne, elle avait gagné à l'âge de 2 ans le prix Cérès. Sous les couleurs d'Enrico Campi, je crois bien. Chez Jean-Marie Béguinier. 11 000 euros, tu devras faire Laura. 12 000 euros. On trouve des chevaux japonais. À 12 000 euros, bien essayé. 12 000 euros. Et on trouve Trève aussi dans ce pédigré. Ni bon ni mauvais. Je suis désolé, mais. Ah oui. Le numéro 558. Ouais, ça me fait rire. C'est un bon public. Entendu, je connaissais pas. Tu le connaissais pas, c'est ça. Ah, je vais la réutiliser. Il est jeune, celui qui était cher. Tu connais pas les inconnus. Et alors, ce soir, on dit le chinois ou chez moi? Ou chez toi? Ah non, merde, j'ai confondu. Alors c'est Patrick Montfort qui a acheté le lot précédent, qui va aller donc prendre la direction de Sonon. Ah, que d'émotion. Bon, chinois ou chez toi? Alors, Patrick Montfort, le voici. Orpen et Morinda, la mère Chamardal. La nièce de Sirène de Loise, elle était toute bonne chez Alain Bonin, Sirène de Loise, gagnante du prix d'Aumale, deuxième du prix Vento et bonne poulinière, déjà mère de Wingate, lauréat du prix des Sablonnais, il y a 3 ans. Belle souche. La mère, elle a fait quoi? 11 places de 2 à 4 ans. Bon, elle n'a pas gagné, mais enfin bon, elle a quand même 11 places, c'est une jument de course. Premier produit est un Zofanie, très bon étalon Zofanie. Parti en Suisse. Parti en Suisse. Bon. 9000 si vous voulez, monsieur. J'ai 9000 euros, nouvelle enchère sur la droite de 9000. À 9000 euros, rien à gauche de 9000. C'est pas des fous des. Est-ce qu'il y a des courses de 2 ans en Suisse? Oui. Ouais, ouais. Ouais, 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 j'en ai vu. Quand on est allé voir Anton, il avait un partant dans la course. Anton, il avait un partant. Il y avait une course de 2 ans, il avait un partant. Bon, t'es Frédéric Spanu sur l'hippodrome de Zurich. Il faut rien concentrer. C'est qui présente cette fille d'Orpen. C'est sûr, monsieur, pas de regret. À 10 000 euros. On va l'adjuger à 10 000 euros. C'est Zied qui est sous-enchérisseur. Le numéro 559, présenté par Laura de Galouin. Saltia, c'est une pouliche née le 26 avril par Reply et Miss Possibility. Je pense que la pouliche a été rachetée. Reply, fille de Reply. Oui, ça a été racheté. Mère, gagnant de liste. Boatback. C'est la famille de la personnalité. Faites votre publicité. Notamment pour les ventes de novembre, qui sont le 14, le 15 et le 16. Appelé prestement à Nice le Gorgeux. Prestement, oui. Prestement, oui. Prestement. Prestement, c'est bien aussi. Prestement. À Nice le Gorgeux. Prestement, c'est pas son prénom. Hein. Non, non. Si vous voulez, à 4000 euros. Un peu moins bonne que. Ni bon ni mauvais. Et pour réserver votre encart de publicité. Notamment pour les ventes de novembre. Les ventes de store, de yearling, la vocation obstacle, les ventes de choix à l'entraînement. Ce sera la non pas la prochaine émission en direct de France Air TV, puisqu'on aura les ventes d'Osarus également au Lyon d'Angers. Ah oui, le 4 novembre. Dernière fois, vous la laissez partir à 4000 euros seulement. C'est Julie en face l'enchère à 4000 euros. Dernière fois, à 4000 euros, le marteau se lève à 4000 euros. On a Julie. 4000 euros, Julie, votre enchère, merci. Le numéro 560. 4 000 euros pour le Reply présenté par Christophe Jouandou. C'est racheté.
Polish est vendu sans TVA. This filly. Oui. Oui. À hauteur de 50%, pardon. 50% of this filly is sold. Le voilà, Christophe Jouandou, qui a été le coordinateur du salon du stand expo, du stand de l'Exo. Au salon Gallo Expo. La mère est une sœur de Ming Dynasty, le gagnant du Conseil de Paris. La veille de Modern Eagle de Madelia. Allons-y, Sriputra, 3 000 €. 3 000 € pour des débats, 3 000 €. À 3 000 € des soucis. Alors, Sriputra de nouveau, présenté par le rat des Embruns. C'est-à-dire Marie Lee Games, qui habite à quelques kilomètres de l'endroit où est placé Sriputra, le rat du Saz, dans la Loire-Atlantique. Et hier, on a eu un mâle de Siouni et Mémoire qui a été vendu, qui a été acheté 35 000 € par Alban Chevalier Dufault. C'était le lot 344. Et ici, on a une petite fille de Mémoire qui passe sur le ring. Parce que montagne lointaine, pardon. La voilà, Marie Lee Games. Par Marie Lee Games. Par Grégoire à 5 000, 5 000 à 5 000, 5 000 à 5 000. À 5 000 €, Bernard, c'est toujours contre vous. 5 000 € à 6 000, 6 000 à 6 000, 6 000 à 6 000. À 5 000 € Glouchet à 6 000, 6 000 à 6 000, 6 000 à 6 000, 6 000 à 6 000. À 5 000 € Pierre à 6 000, 6 000 à 6 000, 6 000 à 6 000. À 6 000 € fini, Bernard, c'est sûr. À 6 000 €, à 6 000 € l'enchéré par Grégoire à 6 000, 6 000 à 6 000, 6 000 à 6 000, à 6 000 €. On le voit que Fabien n'est plus au cadre. Il n'y a plus de filles. Ah ouais. Enfin si, il y avait Marie Lee Games, mais parce qu'elle vendait, c'est pas pareil. Parce qu'elle vendait, exactement. 9 000 à 9 000 €, pas de regret. Par contre, on voit des prix, évidemment. Ça commence à monter de nouveau, ouais. 9 000 €. Vous la laissez partir, la petite fille d'Oasis Dream, issue d'une sœur de Ming Dynasty. Je crains que ce soit racheté pour ce prix-là. 9 000 € fini, et le marteau se lève à 9 000 €. On a juge. 9 000 € votre enchère, Grégoire, merci. Le numéro 561, présenté par Loara de Montaigu, c'est une pouliche noire pangarée née le 24 avril par Manduro et Nebraska. Manduro, c'est la sœur de Mogadiscio, Placid Listed. Oui, c'est racheté. Non, c'est la non. C'est la famille de Big John. Voilà Marie. Sœur de Black Tide, donc par Manduro. Qui attend un heureux événement. Le père d'Ultra, le père de Vazirabad, le père de Ribbon. Car cela, bien sûr, ne nous regarde pas, mais par contre, ça nous intéresse à envoyer beaucoup. Oui. Et les acheteurs, ils sont juste là derrière. À 3 000 € à 3 000 €, Manduro, 3 000 €, à 3 000 € à 3 000 €. Eh bien, je ne les connais pas, dis donc. Alors, on va passer au lot suivant. De toute façon, les arrivées. Les prix, vous pouvez les trouver dans la catégorie résultats qui est à droite. Nous avons tous les derniers prix qui sont à confirmer et qui le sont confirmés quelques minutes plus tard avec l'officialisation réalisée du nom de l'acheteur également. Voilà, à travers les services d'Arcana, avec le nom de l'acheteur. Mais en tout cas, la particularité, c'est qu'on a aussitôt la tombée du marteau, le prix qui s'affiche. Des 3 ou 4 derniers, donc, du coup. Là, exactement. À 7 000 € fini, monsieur. À 7 000 €. À 7 000 € c'est contre vous, à 7 000. 7 000 à 7 000. 7 000 à 7 000 € aussi. Pendant ce temps-là, Manduro et Nebraska, le rat de Montaigu. Issue dont la sœur de Mogadiscio. Rat de Montaigu pour le compte de monsieur Camus Dénet. L'enchère est à gauche. Bruno. C'est ça. De son nom. C'est lui l'éleveur de Mogadiscio. À 7 000 €. Et de cette fille de Manduro. 7 000 votre enchère, merci. Le numéro 562, présenté par le Hara du Lieu des Champs, c'est un mâle béné le 20. Et c'est racheté. Oui. Puisque c'est Aliette Forien qui signe le bulletin. Une victoire supplémentaire en Irlande depuis l'apparition. Et oui, un bel update ici, puisque le 3 ans vient de gagner pour. Ah, nous avons un nouvel auctionneur. Et non pas un nouvel enchérisseur, un nouvel auctionneur. Jean-Baptiste André. Et un nouvel étalon, enfin jeune étalon, voilà de nouveau, 84 juments, ça y est pour sa première saison. Un AQPS formidable, les Merdeux, Cully, Le Rocher, Saint-Dor, Perlis de Clermont, beaucoup d'intérêt pour ce cheval qui a été limité en termes de nombre de saillies pour sa première saison, de façon à être plus calme, sage, tranquille. Et qui a beaucoup de succès, ce fils de Network. Donc Jean-Baptiste André, tiens, on va regarder le profil de cet auctionneur. Peut-être que vous ne le connaissez pas, donc on va essayer de faire une image sur l'auctionneur. Suivons maintenant, mettez 4 à 3 000, j'ai 3, mettez 4 à 3 000, 3 000 ici, à 3 000 € l'enchère ici par Grégoire, à 3 000 € pas d'ailleurs, à 3 000 € qui m'appelle par ailleurs, à 3 000 € l'enchère, à 3 000 € une seule enchère par vous, Grégoire, pas d'erreur, dernier tour de ring, à 3 000 €, on a le juge.
3000 euros, Grégoire. Le voilà, donc cet auctionneur Jean-Baptiste André qui travaille chez l'Agacan, qui s'occupe de toute la partie agricole chez l'Agacan et qui est très à l'aise au micro, qui est un grand connaisseur de chevaux et de courses par ailleurs. Mais lui, son boulot chez l'Agacan, c'est il s'occupe de toute la partie agricole, les vaches, l'exploitation agricole de Bonneval et de Saint-Crépin. Il y a du boulot parce qu'il y a grand. Et sa femme travaille au Monceau. Voilà. Anne-Charlotte. Exactement. C'est la deuxième fois, semble-t-il, qu'il auctionne. Oui. Ici à Arcana. Il était passé à la vente d'été, si oui. Ma mémoire est bonne. À 4000 euros, l'enchère est ici en haut au restaurant. À 4000. T'as un bon auctionneur déjà. Pour le fils de Tinors, famille Agacan, Linamix, père de mère. Ah oui, il connaît bien cette famille. Famille Agacan. Une famille que Jean-Luc Lagardère avait rapatriée des États-Unis. La famille de Quiet American. Une famille sous la cinquième ère des vertémères également, celle de Tarengo. Dis-moi, Achalanda, c'était pas la leader grise, un peu fofolle, qui avait gagné de bout en bout le prix de Malray. Après avoir gagné Freddy Diffed, après avoir gagné à Castaré-Verduzan, ou je sais plus, à Libourne. À Libourne, elle avait gagné à Libourne, dit. Oui. 8, 9, 9 par Jean-Jacques. Et elle est devenue une bonne poulinière, c'est la mère d'Ashland et Ashcan. Et puis en plus, elle a, c'était pas un coup de folie juste le prix de Malray, parce qu'elle a gagné aussi les Pride Stakes, groupe 2 aux États-Unis après. Oui, en Angleterre. En Angleterre, les Pride Stakes ont une durée de vie assez courte. Sous le nom Pride Stakes, ils ont été renommés en. Le jour des Champion Stakes, c'est devenu groupe 1 désormais. Cette course-là, c'est le Champions Phillies and Mare. À 12 000, et c'est vous, Grégoire. Ah, yes. Il sait tous, le X-Técher, il est trop fort. Price Stakes, c'est en hommage à la gagnante, entre autres, des Champion Stakes. Pride est devenu maire de One Foot in Heaven, le dernier vainqueur du prix du Conseil de Paris. On a du 12 000 euros, Grégoire, monsieur Kevin Borgel. Merci, monsieur. Kevin Borgel. Présenté par le Haras de la Croissonnée. C'est Marseille, ça, Kevin Borgel. Sous la casquette Gali, ouais. Les premiers produits ont 2 ans. Cheval plus complet, précoce. Jukebox Jury. Alors, Jukebox Jury, tiens. Le voilà. Kevin Borgel. Parlons de Jukebox Jury. Une famille qui a produit pas mal d'étalons. C'est un petit cri de mon jeu. 3 000 euros. Qui fait la montée en Allemagne à Gestüttelsern. Bien, schön. À Gestüttelsern, à côté de Lord of England. Et à côté. Non, mais il l'a pas connu alors, du coup. Peut-être qu'il a connu une année ou deux années un autre voisin de boxe, Sholokov. Depuis, Sholokov a été acheté par les Irlandais. Ouais, ça fait quoi, ça fait Ah, ça fait un petit moment déjà, ouais, 4, quand même. 4 ans. Ouais. Les premiers produits de Duke Basuri ont 2 ans. C'est plus vous, Laura, c'est contre vous à 4000 euros. C'est par Grégoire Lanchère. À 4000 euros. À 4000 euros. 5, 2, par vous et contre vous, on est à 5000 euros. Grégoire, pas d'erreur, par vous et contre vous, vous avez. Jukebox Jury était entraîné par Mark Johnson, si je ne dis pas de bêtises. À 5000 euros, vous. Mais c'est ça, oui. Kazakh, cheval avec beaucoup de blanc. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Il portait la Kazakh rouge avec des manches blanches. Oui, et une toque bleue, je crois. Une toque bleue, exactement. Rayé. Personne ne m'appelle par. Il avait gagné à Deauville, entre autres, le prix Kerguelen. Le Grand Prix de Deauville, pardon, et il était double gagnant de groupe 1. À 6 000 euros, en face, juste devant. À 6 000 euros, c'est là. À 6 000 euros, par vous, Grégoire. Que dites-vous au fond dans le passage? On est à 6 000 euros devant. À 6 000 euros. Pour être un étalon intéressant à suivre dans les prochaines années, ce Jukebox Jury. À 7 000 euros, je vous laisse faire continuer, Grégoire. À 7 000 pourquoi pas un étalon mixte aussi. Contre vous, à 7 000 euros. Dans la famille maternelle, il y a un champion danois. Ici, Grégoire, c'est vous qui êtes mis en chair à 7 000 euros. Le fils de. Ah, on vit en famille, c'est sympa. Et la mère et sœur d'un gagnant de liste. Oh, quelle belle image! Oh là 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 là, Steven Spielberg est parmi nous. C'est sûr, fini. Merci de votre aide, madame. À 7000 euros, on a le juge. 7000 euros, Grégoire. Le numéro 565, présenté par le Haras des Embruns. C'est un Malbéné le 18 mars. Alors, on va retrouver Marie Ligems du Haras des Embruns. Ce poulain est vendu sans TVA à hauteur de 50%. 50% of this colt is sold without VAT. Eh oui, Sriputra, les premiers yearlings de Sriputra. Qui achète? Vous vous en souvenez. Une mère inédite, mais sœur d'un gagnant de course principale. La sœur de 3 ans,
est gagnante et régulière et un très beau poulain ici avec de l'étendue. Un poulain qui marche très bien avec un montre à verre à combien commence. Connais pas. 3 000 euros pour le fils de Sri Putra, premier en ligne. À 3 000 euros l'enchère. À 3 000 euros, qui m'appelle? À 3 000 euros l'enchère, mettez vos enchères à 3 000 euros, 3, 3, 3 000 euros. 3 000 euros. Julie, 3 000 euros à 3, 3 000 euros ici l'enchère par Julie l'enchère à 3 000. À 3 000, à 3 000 pour le fils de Sri Putra. Un poulain qui marche très très bien, très tonique, à votre travers. Un poulain de Sri Putra. Un ancien représentant du roi de Malaisie, de la Kazakh du roi de Malaisie. Son Altesse. À 4 000 euros l'enchère ici. Fils d'Oasis Dream. Fait la mentorara du Saz, le troisième produit d'une mère qui a déjà produit Ojinska Dream, fille du regretté Early March, âgée de 3 ans, qui est gagnante en débutant, je crois bien, du prix du Mézeray à Argentan. Et dans ce prix du haras du Mézeray à Argentan, cette année en 2016, débutait également la sœur de Punch Nantais. Une sœur de Punch Nantais qui, elle aussi, avait été élevée par Marie Lee Games. Moi, j'aime bien cette famille. C'est une vieille famille, Woodlandstein. La quatrième mère, Odd, elle était chez Lelouch. Super jument, Otaïti, c'était bien aussi. Ostankino, un martillo très, très dur, Ostankino. Martillo chez les deux touillons. Je ne pense pas que ce soit un martillo Ostankino. Par Alban, que dites-vous ? Gagnant du prix Maurice de Nieuil, groupe 2, un placé du prix du cadran également, un vrai stailleur sur Tankino. Et c'est la famille de B-Safe aussi. B-Safe, qui est une vedette en Inde, c'est rigolo. Hein. À gauche, voulez-vous 15, Julie, à 13 000. 15. Il a gagné le derby de Bangalore et il a gagné l'Indian Derby B-Safe, c'est-à-dire le derby de Kira qui rassemble tous les champions de tout le pays. Donc c'est, ça se passe à Bombay et c'est une course extrêmement, extrêmement importante. Mettez 20 pour l'heure et peut-être à 20 000, 17 000 ici à gauche, Alban Lancher à 17 000 pour le fils de Sri Putra. La sœur de 3 ans est gagnante, hein, est régulière, pas d'erreur. À 17 000 euros l'enchère ici par Alban, va pouvoir la juger. Fini Julie. Un poulain là, qui est sur le ring qui ressemble beaucoup à son père, je trouve. Sri Putra. Mais non, Ostankino, c'est un, je confonds avec un autre, c'est un Zitten. Le numéro 566, présenté par le Haras du Buff. C'est une pouliche Benelotti, mais par le catalogue de Monsieur Dominique. A noter que sa demi-sœur Profine compte une place pour ses débuts. Là voilà, une pouliche ici avec une bonne arrière-main. Cette fille de Naïef, à 3 ans, vient de se placer pour ses débuts. Dit Navena. Et la mère et sœur de 4 chevaux. Je suis confondu avec Okeaki. Ça commence pareil, Okeaki. C'était aussi une Woodlandstein. Ouais. Alors, Dina Vena, la nourriture des champions. De plats, d'obstacles, d'élevage et de course. À 3 000 euros par Grégoire Lanchère. Suivons maintenant, s'il vous plaît. 3 000 euros de Lanchère ici. Pour la fille de tandis que notre stagiaire ne dit plus rien depuis que Loïc lui a brisé le cœur. Que dites-vous maintenant? À 3 000 euros l'enchère, ici par Grégoire à 3 000 qui m'appelle. Comment ça, je l'ai brisé le cœur par... Dominique, à 4 000. Elle a dit tout à l'heure, pas encore. Pas encore, bah voilà. C'est encourageant. 5 000 par Grégoire, l'enchère ici à 5 000. 5 000 euros ici, l'enchère, c'est plus vous Dominique que dit. 5 000 euros seulement. C'est ici, par Grégoire, l'enchère en face à 5 000 euros. Pour le film Naïef. Continuons, Dominique, encore une. Par Inti Club. 5 000 euros, on va devoir la juger. La famille de Souvenirs de Londres. Bonne sprinteuse, fille de Siouni. À 5 000 euros, pas d'erreur. À 5 000 euros, vous avez bien vu l'update de la 3 ans qui vient de se placer. À 5 000 euros, on adjuge. 5 000 euros, Grégoire. Monsieur Borgel, merci à nouveau, monsieur. Kevin Borgel, il fait ses petites courses. Bon, à 5 000 euros, il prend quand même pas grand risque. Le père était très dur. Le Haras du Buff avec Naïef, complètement différent comme profil Naïef. Le père de Tamayouz, le père de Lady Marianne, Naïef. Le frère de Nashwan. Arnaud, c'est la police qui vient de se vendre. Effectivement, à 5 000 euros seulement, c'est vraiment pas cher. Parce que je peux essayer de contre-argumenter pour une fille de Naïef qui a en fin de carrière, c'est vrai, là c'est vrai, je dis pas des bêtises, il est un petit peu tombé dans l'oubli Naïef. Néanmoins, il a quand même été nettement moins influent, naïf que son frère Nashwan. Bref, ça coûtait pas bien cher. Alors ensuite, il y a eu Unfawain aussi. Oui, qui était meilleur en fait. Très, très bon père de mer aussi, Unfawain. Oui. Alors le rat de la Barolière, c'est du côté du Poitou, le rat de la Barolière. Sybille Pécriot. Oui.
qui est l'hôte de Diogène, entre autres. Oui. De Palamos. Oui. Et c'est tout. De Trajano. Le Stécher. Trajano également. À 4 000 euros 5. À 5 000. À 5 000 ici, à droite. À 5 000 euros, l'enchère pour la fille de Henry, de Navigator. 7 à 7 000, Julie, à 7 à 7 000. À 7 000, à 7 000 euros ici, Julie, l'enchère à gauche, à 7 000 euros. À 7 000 euros, l'enchère ici pour Henry, de Navigator. Belle pouliche ici, qui marche très bien, qui est tonique. Henry Patrick Roulois. Si, si vous le Mayennais. Qui est en train de mettre des enchères ? Non, non. Il a vendu hier une fille de quête d'argent. C'est bien ça. C'est le 4. Le 497. Bye bye Fuji. Acheté 14-15 000 euros par Marc Pimbolet. Oui, 9. À 9 000. À 9 000, il faut arrondir et vous l'aurez probablement 10. Bien joué, Julie, à 10 000 euros. À 10 000 euros, l'enchère ici. Continuons maintenant. Que dites-vous, monsieur, au téléphone ? Elle est à 10 000 euros ici et on peut la vendre à 10 000 euros. Choisissez à 10 000 euros. Mettez-en une si vous voulez. Mettez-en une, s'il vous plaît. Mettez-en une. C'est Mathieu Le Forestier qui a acheté tout à l'heure le 560, Loïc. On ne le reconnaissait pas, le Sripoutra du Rat des Embruns. D'accord. Qui a un entraîneur complètement atypique, Mathieu Le Forestier. Type assez étonnant. C'est le frère de Maxime, c'est ça. Cospel contre une victoire à Chantilly depuis l'apparition. Non, bien sûr, c'est pas vrai. Et mais toute sa vie, on lui a dit « Ah bah, t'es le fils de... » Et là, c'est... Gottenberg-Racht. Voilà. Et vous avez vu l'update. La sœur part pour moi, vient de gagner à Chantilly semaine dernière quand on commence à 3 000 euros. À 3 000 euros pour la famille de Pomme et Lato. À 3 000 euros pour Pomme, Pomme, Pomme. La sœur part pour moi, vient de gagner. Did you see the update? 3 000 euros qui m'appelle à 3. 3 la sœur vient de gagner, dites donc. La mère s'appelle Pomme, Pomme, Pomme. Présentée par le rat de Saint-James, qu'on ne connaît pas très bien, le rat de Saint-James. Un fils de Lusive City, né assez tardivement le 29 mai. Donc la sœur vient de gagner la semaine dernière à Chantilly. La sœur, c'est la femelle de pour moi, Cospel. Et c'est le neveu de Pomelato. Pomelato qui va arriver l'an prochain au Rat du Ténet en 2017. Fils de Big Shuffle, qui a des statistiques incroyables. On compte 11 produits ou 10 produits qui sont nés en 2011. Et 6 d'entre eux sont Black Type, imaginez-vous. Unbelievable. Incroyable. À 5 000 euros l'enchère ici, à droite, à 5 000 euros de bid. Non est possible. À 5 000 euros, avec un update de qualité, à 5 000 euros. Incroyable. C'est en français, mais c'est incroyable. Pour la famille de Pomenato, Elusive City, étalon précoce. Et en allemand, ça donne. Et on est à 6 000 euros. La Baïche. Que dites-vous maintenant, Laura? Da. On est à 6 000. C'est pas vous, Laura, c'est à gauche. Par Grégoire, à 6 000 euros. À 6 000 euros. Que tentez-vous, monsieur? À 6 000 euros. Hop, 7. À 7 000 euros. À 7 000 euros, l'enchère ici à droite. À 7 000 euros, Grégoire, vous êtes battu. À 7 000 euros par Elusive City. Update de qualité. Étalon confirmé. Pédigré d'un champion. Que dites-vous? Toutes les cases sont cochées. On est à 7 000 euros seulement. Oui, 8. 8 000 euros. C'est au téléphone là-bas. 8 000 euros. À 8 000 euros ici, au fond, dans le passage au téléphone, à 8 000. À 8 000 euros, c'est plus vous à la barrière, monsieur. À 8 000 euros, je vais la juger là-bas, à 8 000. À 8 000 euros ici, un chic poulain, Elusive City, elle est à 8 000 euros, c'est au fond, dans le passage. Monsieur, que dites-vous à la barrière? C'est terminé. À 8 000 euros, je vais la juger. 8 000 euros, pas d'erreur. Pom, 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 bel update. Famille de Pomelato, à 8 000 euros. On la juge. 8 000 euros, Grégoire. Le numéro 569, présenté par le Haras de Préau, Square de Luynes. C'est un mâle béné le 20 mars par Manduro et Power Girl. A noter que ce poulain est vendu avec un certificat vétérinaire qui nous informe qu'il a été accidenté il y a quelques mois, ce qui a occasionné une fracture des sinus aujourd'hui stabilisée. Ce poulain ne présente pas de gêne respiratoire et son pronostic sportif est a priori favorable. Il a été accidenté des sinus, mais ça s'est stabilisé, donc il n'y a pas de problème. Ce fils de Manduro, le père de Vazir Abad, issu d'une mère gagnante et performante. Alors, Square de Luynes, présenté par le rat de Préau, monsieur Lucas, Jean-Louis Lucas. Pas Jean-Marc Lucas, ne pas confondre. C'est les Jean-Louis Lucas, le rat de Préau. C'est juste à côté du rat de la Covinière, le rat de Préau. À 6 000 euros ici, c'est Tony. Pas de rat d'Orbeck. C'était, puisque oui. Le malheureux Jean-Louis Lucas n'est plus là. Oui. Oui, 10. Allez, bien. Allez, 1 000 euros l'enchère, ici, pas Grégoire. Et on voit d'ailleurs les traces de sa fracture au niveau des yeux, juste entre les yeux, là. On voit qu'il a eu un... 14 à 14 000, à
et les salières, enfin voilà, il y a quelque chose qui, quand on le regarde bien de profil, qui n'est pas tout à fait naturel, mais en tout cas, ça ne dérange pas du tout les éleveurs. Les éleveurs, c'est vrai qu'il est magnifique ce... À 18 fois rendir maintenant, j'ai 18 pété 20 au restaurant, j'ai 18 par Grégoire. Et monsieur qui est à la tête du poulain, il a des airs de Jacques Crozillac, non, tu trouves pas? C'est l'ancien étalonnier du haras du logis Saint-Germain, et c'est le frère, attends, comment il s'appelle? C'est le frère du responsable du haras de Nonant le Pin, qui fait qui touche et qui parle aux chevaux. En tout cas, son frère est responsable du haras Nonant le Pin, là où a élevé toute sa vie le regretté Olivier Corbière. Mais il y a un reportage sur France Tire à ce sujet-là, vous pouvez le regarder. À 28, j'ai 25. À 25 000 euros, l'enchère. À 25 000 euros, qui m'appelle. 26, bien vu. 26. Mais 26 000, cher ami. Oui. C'est l'un des beaux prix des de la journée. Ouais. Attention, on s'en va en l'air. À 26 000 euros. Attention. Grégoire, c'est fini pour vous. À 26 000 euros. Frère de. 26 000 ici par vous. Laura Lanchet. C'est qui? Numéro 560. Le frère de Glowing Cloud. C'est Arnaud Lerettre. Arnaud Lerettre, voilà, qui travaille pour. Qui travaille encore peut-être pour le rat de Fresnel Buffard, pour la famille Niarcos, qui fait quelques missions occasionnelles pour Osarus, et qui, là en l'occurrence, est un courtier. Un beau cheval. Qui achète pour 26 000 euros. Square de Luynes, né le 20 mars, le frère de Glowing Cloud, femelle de Dylan Thomas, qui, malgré le fait d'être par un étalon fort décevant Dylan Thomas, fut une bonne jument gagnante du prix d'automne, une listed à Longchamp. Feuille de Philippot, puis un magnifique cheval. Le voici donc, Arnaud Lerettre. Alors désormais, nous passons à... Un autre fils de Manduro. Très beau aussi. Hein. Présenté par le haras du Play. Man to Man. Baudouin et Anne de la Motte Saint-Pierre. 8 à 8 000, 8 000 euros, Grégoire Lanchère. Sont installés dans l'Orne. Man to Man, c'est le premier produit de Prévoir qui n'est plus au haras du Play. Elle a été revendue entre-temps, puis de Dubai Destination. Mais comment tu fais pour savoir tout ça? Mais j'étais chez Anne et Baudouin fin août. Et j'avais vu notamment ce Man to Man. Les résultats en sont bien sûr toutes les photos, les vidéos sur France Cire, sur la page du haras du Play. Que dites-vous, Dominique? À 16 000 euros, que dites-vous, Grégoire et Tony? À 16 000 euros, nous allons le vendre à 16 000, pas d'erreur. On va vous le montrer d'ailleurs, le vendeur Baudouin de la Motte Saint-Pierre. Fils Manduro, très bon cheval ici, premier produit, 17. La famille d'aquarellistes. À 17 000, c'est Tony maintenant qui tient. À 17 000, c'était faute 18, si vous voulez, ici, Guillaume à gauche. À 18, faut mettre 20 maintenant pour arrondir Tony, essayez 20. À 18, j'ai 18 par Guillaume, Tony, que dites-vous, essayez de mettre 20 à 18. À 18 000 euros l'enchère, à 18 000 euros à gauche, à 18 000 euros par Guillaume, à 18 000 euros Manduro, à 18 000 euros, voilà le juger. Pas d'erreur, Tony, plus personne. À 18 000 euros, on a le juge. 18 000 euros Guillaume. Numéro 571, présenté par Aral et Sablonnet, primauté, c'est une polyjubée née le 29 mars par Sunday Break et Prima. Et oui, une fille de Sunday Break, issue d'une mère gagnante. Et la mère a déjà produit. Faites votre publicité, prévoyez, anticipez pour le mois de novembre. Une pouliche tonique ici, avec une bonne locomotion. Et on commence à 3000 euros pour la fille de Sunday Break, qui m'appelle à 3000 euros, à 3000 euros l'enchère. Ah, une fille de Sunday Break. C'est pris par Guillaume Lanchère. C'est Yann Ouivet qui a acheté le Man to Man à 18 000 euros. C'est à gauche, c'est 3000, à 3000 euros, 4000 par Camille, à 4000 euros l'enchère ici, 4000, à 4000 euros l'enchère pour la fille de Sunday Break, qui marche très très bien, bonne locomotion, chic pouliche ici, on est à 4000 euros par Camille, à Camille. Les Sablonnais nous présentent cette fille de Sunday Break. À 4000 à Camille ou à 4000 à Camille, à 4000 à Camille, je moque un petit peu, je le taquine Jean-Baptiste, à 4000 à Camille, à Camille, à 4000. Pratique. Oh. Ah oui, je viens de leur payer à 7000, ça marche plus. Non. À 7000 euros par Camille. Excusez-moi, j'ai mis du temps à comprendre. Ici à droite, pas 7000 par Camille pour la fille de Sunday Break, issue d'une mère gagnante. La mère a déjà produit 3 vainqueurs. Jamais 304. Et on est à 7000. Jamais 304. Oh, bah, allez. Ah bah voilà, c'est de la même. C'est de la même. Ah bah ça, alors ça, je sais pas d'où il la sort, ça, mais ça vient du ciel. J'ai 8 dans la salle, Jean-Jacques. 8000.
à 8000 ici. À 8000 ici, près de l'escalier. À 8000 euros l'enchère ici par Camille. À 8000. 9 à Jean-Jacques. 9000 au restaurant. À 8000 euros l'enchère ici pour la fille de Sunday Break, issue d'une mère gagnante. Tous les frères et sœurs sont gagnants. On est à 9000 euros par Jean-Jacques au téléphone. À 9000 euros. À 9000 euros. On est à 9. Oui, par Jean-Jacques à 9000 euros. Pas d'erreur ici à 9000. On va vous la juger, je pense, Jean-Jacques. 9000, c'est fini. Camille, personne par ailleurs ne m'appelle. À 9000. Je pense qu'on va juger pour cette pouliche de Sunday Break. Élevé par Eric Aubré au Haras de la Placière. Et c'est vendu. Eric te téléphone dans la salle. L'enchère finale part au restaurant. Le 5 avril, par Sriputra et Reine Violette. Et oui, fils de Sriputra. Il avait vendu son frère, un fils de Smadoun, pardon. Un fils de Smadoun à Hong Kong. Hong Kong. Ah, ce petit bout de rocher brûlant. Ce petit bout de rocher brûlant de l'Asie du Sud-Est. Hong Kong, là nous allons nous rendre. Hong Kong, terre de massage. Hong Kong, terre de nourriture asiatique magnifique. Hong Kong, terre de course. Hong Kong, terre de rêve. Hong Kong, terre de l'extérieur. Terre de feu. Et chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, nous allons vous y emmener une nouvelle fois à Hong Kong en fin d'année. C'est votre voyage de fin d'année. Noël avant l'heure, Hong Kong. Si vous le voulez bien. Nous allons vous réserver de nouvelles surprises cette année. Mais nous ne savons pas encore. En tout cas, Hong Kong, nous allons commencer par exporter notre nouveau slogan, car Loïc, tu l'as sans doute déjà dit. Bien sûr. Mais le slogan qui a été retenu pour le nouveau slogan qui a été retenu par le peuple, parce que Francis, c'est le peuple. Le peuple de l'herbe. Le peuple de l'herbe, le peuple des prés. Le peuple de l'herbe. Et donc, a choisi parmi les 7 possibilités qui lui étaient offertes. Francir a consommé avec passion. Invitation au voyage. À la consommation, à la passion. Très érotique au charnel, tout cela. C'est tout à fait. Tiens, on parle d'un truc érotico-charnel, il y a Annelise qui arrive. Et Vlatipak, Annelise arrive. Vlatipak, les gonzesses débarquent. Ah, ça, c'est beau, ça. Alors, je crois que normalement, d'habitude, elle vient pour une augmentation. Là, c'est autre chose. Pour demander des vacances, c'est ça. Elusive City et Rocky Roulette. Et oui, elle a déjà un nom de gagnante. Rocky Victory, cette fille d'Elusive City. Cette fille d'Elusive City, pas d'ailleurs, étalon précoce, bien sûr, confirmé, ultra confirmé. Premier produit d'une mère gagnante à Longchamp. Une pouliche qui marche bien, très tonique, très sérieuse, très appliquée. On commence à 3000 euros, qui m'appelle à 3000 pour la fille d'Elusive City, qui marche très bien. Premier produit d'une mère gagnante à Longchamp, à 3000 euros, qui m'appelle à 3000 euros, 3000 euros, mettez vos enchères à 3000. 3000. C'est Tony, 3000 euros à 3000. 3000, à 3000 euros l'enchère, 5 à 5000 euros, 5000 euros l'enchère ici par Guillaume l'enchère à gauche à 5000. 5000 euros, à 5000 euros, à 5000 euros, Stanislas, à 5000 euros, c'est vous, à 5000 euros ici, pas d'erreur, à gauche 5000, c'est vous, 5000 euros l'enchère ici. Tony, pardon. 5000, Tony. À 5000, l'enchère, Tony. 7. À 7000, par Dominique, l'enchère à droite. À 7000, par Dominique, l'enchère à droite. Plus vous, oui, c'est 8. 7000, on passe à 8, à 8, à 8000. À 8000, à 8000 euros, l'enchère ici, Tony, à gauche, l'enchère à Tony, l'enchère à gauche, à 8000, à 8000. À 8000 euros, l'enchère. À 8000 euros, que dites-vous, Dominique, arrondissez, tentez 10, oui, 10. 10 par Grégoire. À 10 000 euros, à 10 000 euros, 12. À 12 000 par Tony, à 12 000 euros pour cette chic pouliche qui marche très bien, très sérieuse. Ah, il marche très bien, il marche très bien, il marche très bien. Allez. À 12 000 euros, nous allons pouvoir la vendre à 12 000 euros. 13. À 13 000. À 13 000 par Camille. À 13 000 euros, l'enchère ici par Camille à droite. Nouvelle enchérisseur à 13 000. C'est plus vous, Stanislas. La famille de Spirito del Vento. Spirito del Vento, c'était le haras des Sablonnais, mais là, ça nous est présenté par le HSV Azanzi, le haras de Saint-Vincent à Tarbes. Thierry Dallonga. À côté de Pau, le voilà derrière. Tarbes, c'est plus vers dans la région tarbaise. Tarbaise, oui, oui, tout à fait. C'est là les terres historiques de Émile Lestorte. Lestorte, ouais. Le voilà, Thierry Dallonga avec sa casquette. Lucayan, c'est l'un des trois étalons du haras de Saint-Vincent avec Anabablou et Anabablou. Par Tony, Camille, que dites-vous maintenant à 16 000 euros l'enchère et par Tony. Et nous allons la vendre à Tony à 16 000 euros. 17, à 17 000, à 17 000, à 17 000 maintenant. Tony, vous laissez. Et Arnaud, on est déjà au 573. On n'aura plus que un peu plus de 30 lots.
Oh. Ce sera déjà fini. Aïe, aïe, aïe. 20 000 enchères ici, on va pouvoir le vendre à 20 000 euros. La vendre à 20 000 euros, la fille d'Elusive City. Très chic pouliche ici, à 20 000 euros. Tony, qu'est-ce qu'on fait à 20 000 euros? On va pouvoir la vendre à 20 000 euros. À 20 000 euros. Francky Roulette, la mère, c'était chez Jean-Claude Rouget. À 20 000 euros, on a le juge. 20 000 euros, Camille. Merci. Le numéro 574, présenté par le haras du Petit Ailier, Rose Argent, c'est une pouliche bénée le 2 mai par Ken d'Argent et Rose The One. A noter que son demi-frère Rise Hit compte une place supplémentaire depuis l'apparition. Et à noter également le Black Type de On The Moon Again, troisième de groupe depuis l'apparition du catalogue, dont les réservoirs, bien sûr, On The Moon Again. C'est ma préférence, c'est Ken d'Argent. C'est et c'est Con Marnan qui signe le bon à 22. Le voilà, Con. À 20, 20 000 euros, très précisément. 10 000 euros, jolie pouliche, très harmonieuse, à 10 000. Ah, 10 000 euros, 5 000. Oui, signalons l'update de On The Moon Again, la fille de Cape Cross et de ma préférence, qui s'est placée hier, avant-hier plutôt, deuxième, à l'arrivée, pardon, troisième du prix des réservoirs pour la fille de ma préférence. Rose d'argent, il fait quel d'argent? Les Rose The One, Rose The One qui est une sœur de ma préférence justement. Qui passe sur le ring, présenté par le haras du Petit Ailier. Rose d'argent est la sœur de Zarose. Double gagnante, notamment à Vichy. 14 000 euros maintenant l'enchère, à 14 000 euros l'enchère est là. À 14 000 euros, jolie pouliche ici à 14 000, à 14 000. À 16 000 euros maintenant, restaurant à 16 000. À 16 000 euros l'enchère, restaurant à 16 000. À 16 000 euros l'enchère, restaurant à 16 000. À 16 000 euros, à 16 000 euros qui prend le relais. À 16 000 euros l'enchère ici encore à 16 000. À 16 000 euros, au restaurant l'enchère à 16 000 euros. C'est le troisième produit de. De Zarose, non, de Rose The One. Le deuxième, le fils d'American Post, âgé de 2 ans, s'est déjà placé. Depuis ses débuts. À 16 000 euros, l'enchère est au restaurant, je vais l'adjuger à 16 000 euros. À 16 000 euros, il n'y a pas de regret ailleurs dans la salle à 16 000 euros. À 16 000 euros, vous la laissez partir, cette jolie pouliche, issue d'une très bonne famille. Elle va être grise sans doute, cette pouliche. Enchère au restaurant. Des reflets gris, un peu partout. On adjuge au restaurant, l'enchère, 16 000 euros. Merci pour votre aide. Le numéro 575, présenté par le haras de Nonan Lepin, 100%, c'est un mal béné le 28 mars par Feel Like Dancing et Sainte-Baume. Ok, super. Feel Like Dancing. J'ai 16 000 euros, c'est au restaurant. C'est un second produit et à noter la place supplémentaire de Sainte-Baume depuis l'apparition du catalogue. Merceur du champion saunois. Et voulez-vous. Ah, voilà le neveu de Saunois par Feel Like Dancing, c'est le premier. Yorling de Feel Like Dancing a passé sur le ring. Solo numéro 575, présenté par l'Anteuillère à de Nonan Lepin. À 4 000 enchères, à 4 000, à 4 000, mettez 6 000, à 4 000, 6 000, oui, à 6 000, mettez 7 000, 7 000, mettez 7 000, 7 000, oui, à 8 000, voulez-vous. Ça s'appelle 100% ce fils de Feel Like Dancing qui est le 28 mars. À 7 000 euros, l'enchère en bas contre vous, monsieur, à 7 000, à 7 000 euros, la mère sort de soi, 8 000, à 8 000 euros, à 10 000, à 10 000, mon enchère, à 10 000 en bas, à 10 000. Feel Like Dancing qui fait. À 10 000 euros, l'enchère est là. Qui a été déniché en Angleterre, ce fils de Galileo. Oui, 11 000, 11 000. Portait la casaque de Lady Bamford. Oui, à 12 000 euros maintenant, l'enchère est là. À 12 000 euros, mettez 13 000. Voulez-vous 13 000, monsieur, mettez 13 000? Non, à 12 000 euros, l'enchère est en bas. À 12 000 euros, merci pour votre aide. Saunois. 13 000, oui. C'est Jean-Pierre Gauvin qui a remis l'enchère. L'enchère est assis, second rang. Et oui, 13 000 euros, bien vu. À 13 000 euros, l'enchère Jean-Pierre Gauvin contre. Dernière chance, enchère, assis, à vous, Camille. À 13 000 euros, pas de regret. On adjuge. Jean-Pierre Gauvin, merci beaucoup. Votre enchère, 13 000 euros, Camille. Le numéro 576, présenté par le haras d'Ambreville, c'est dit de Thiens. Jean-Pierre Gauvin, effectivement, qui a mis l'enchère. Finale à 13 000 euros. Change très bien. Merde, ça fait la monte à quoi 2 500 euros, la Saïf, il like dancing, c'est le vainqueur de groupe 3. Allons-y, 3 000 minimum, enchère minimum, 3 000, oui bien sûr, 3 000, George Vancouver. Et 5 000 maintenant, Guillaume à 5 000 euros maintenant, enchère à Guillaume à 5 000 euros maintenant, enchère à gauche à 5 000, 5 000, à 5 000 euros, Grégoire, il faut mettre 6 000, voulez-vous 6 000, 5 000, 5 000 euros, enchère à gauche à 5 000 euros, George Vancouver à 5 000, 5 000, à 5 000 euros, mettez votre enchère à 5 000 euros, il y a du monde à 5 000 euros, allons-y, 5 000, 5 000 euros, enchère à 5 000. Le voilà, Jean-Pierre Gauvin.
5000 euros de seule enchère, 5000 euros pour l'instant à 5000. À 5000 euros, Guillaume, c'est votre enchère à 5000. Oui, 6000 maintenant, 6000 euros l'enchère à 6000. À 6000 euros l'enchère à droite, à 6000 euros contre vous, Guillaume, à 6000 euros maintenant l'enchère est là-bas. À 6000 euros l'enchère à droite, essayez encore. 6000. À 6000 euros, nous vendons, c'est sûr. À 6000 euros, bien vu, Coralie. 7000, non, pas bien vu. À 7000 euros maintenant, l'enchère, c'est 8000 maintenant, 8000, vous le voulez 8000. À 7000 euros maintenant, mettez 8000, vous le voulez 8000, mettez 8000. À 7000 euros maintenant, Grégoire, c'est par vous le contre-vous l'enchère à 7000. À 7000 euros maintenant, 8000, 8000, l'enchère de 8000, 8000, l'enchère de 8000, 8000. À 8000 euros par vous le contre-vous à 8000 euros, ici encore 8000 euros, Grégoire. À 8000 euros, c'est Grégoire. À 8000 euros, je vous laisse faire Grégoire, pas de regret, pas d'erreur, bien vu. 9000 euros, mettez 10000 maintenant, arrondissez, voulez-vous 10000, voulez-vous 10000, mettez 10000, essayez 10000, 10000, voulez-vous 10000. 9000 euros maintenant, chérie, 9000. 9000 euros maintenant, par vous, Grégoire, 9000. 9000 euros, c'est sûr. 9000 euros, bien vu, ici, l'enchère à vous. 10000, 10000, l'enchère de 10000, 10000. 10000 maintenant, l'enchère de 10000, l'enchère de 10000, encore 10000, 10000. 10000 euros, l'enchère de 10000 euros, c'est encore 11000. 11000 maintenant, heaven, heaven, heaven maintenant. 11000 euros, l'enchère de vous, 11000 euros, Grégoire, l'enchère de 11000. 11000, 11000. À 11 000 maintenant, 11 000, 11 000, mettez 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, oui, fini. 12 000, à 12 000 maintenant, il est revenu à 12 000. À 12 000, à l'enchère, à 12 000 maintenant, l'enchère, mettez 13 000. À 12 000 euros maintenant, l'enchère, à 12 000 euros, c'est sûr, il n'y a pas d'enchère, c'est sûr, l'enchère ici. À 12 000 euros, oui, 13 000. 13 000 euros maintenant, l'enchère, votre enchère Grégoire, toujours l'enchère à 13 000. À 13 000 euros, Grégoire, c'est votre enchère. À 13 000 euros, pas d'erreur. À 13 000 euros, mettez 14 000. Voulez-vous 14 000? Voulez-vous 14 000? Non! À 13 000 euros, bien vu, on va la juger. Ici, l'enchère à vous, Grégoire. À 13 000 euros, on la juge. 13 000 euros, Grégoire. Numéro 577, présenté par le haras de Doumi. C'est un Malgrin et le 26 février par Airchief Marshall et Sardinelle. A donné que son demi-frère Bonormand compte une place pour sa deuxième sortie. Et oui, une place pour Bonormand depuis la passion du catalogue. Donc, la souche de Créon de Demi, la souche de Beaujolais, Stella Birine, Airchief Marshall, Airchief Marshall, le père de Branco, bien sûr, Airchief Marshall. Et oui, pas d'erreur, le deuxième, le deux ans, pardon, Bonormand, une place pour sa deuxième sortie, Bonormand, oui. De deux ans, here we go, 3000 euros, 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 3000 euros,
7000. À 6000 euros pour le milieu, 7000. 7000 euros maintenant, l'enchère est à droite contre vous, Grégoire, à 7000. À 7000 euros, mettez 8000, essayez 8000, voulez-vous 8000 et 7000 euros, l'enchère est à droite à 7000. À 7000 euros, qui prend le relais, qui prend l'enchère de 7000. À 7000 euros, l'enchère est à Valentin, c'est sûr, et vous laissez partir. À 7000 euros, ce fils de Hershey Marshall. À 7000 euros, bien sûr, le père de Bramto. À 7000 euros, mettez 8000. À 7000 euros, vous laissez partir. À 7000 euros, bien vu, fini. Enchère à droite, à vous, ici, Valentin, à 7000 euros. On adjuge. Merci Valentin, 7000 euros. Le numéro 578, présenté par le Haras de Saint-Arnoux, c'est une pouliche bénée le 13 avril par Ken D'Argent et Sirpina. Ken D'Argent, le champion Ken D'Argent et la mère Grande Lodge. C'est la sœur de Sanji Danone ici. Et donc, souche de Joismir, de Flossy, Ken D'Argent, lovely pouliche, bonne pouliche ici. Bonne pouliche avec du cadre ici, élégante. Et vous voulez 10 000, 10 000, 10 000 euros, il était pour là, 10 000, alors 5 000, 3 000, l'enchère minimum, 3 000, 3 000 euros, Ken D'Argent, bien sûr. Ah, 3 000 euros, mettez vos enchères, 3 000, allons-y, 3 000. À la nouvelle partie avec Ken D'Argent. Ken D'Argent qui va avoir son premier fils étalon, c'est-à-dire Koken. 3 000 euros, l'enchère à 3 000, à 3 000 euros, l'enchère à 3 000, 3 000. 3 000 euros, oui, 4 000, à 4 000 euros maintenant, Guillaume, à 4 000. À 4 000. Il s'installe au Haras de la Huderie, à deux pas du Haras de Colville. C'est toujours le Haras de Colville qui conserve les intérêts sur le cheval et son management. Mais il y a trop de boulot au Haras de Colville. Il y a déjà deux étalons, il y a Ken D'Argent et puis il y a Galloway également. Donc ils ont décidé de le placer chez Béranger Bussy, devant moi, à deux pas du Haras de Colville, c'est-à-dire le Haras de la Huderie. Ken D'Argent et une mère par Indian Rocket, Goken. Vous la laissez partir ? Sœur de Black Type à 10 000 euros. Le 578 est à 10 000 euros, une sœur de Black Type, la Ken D'Argent donc. Sœur de Sanji Danone, un Allemand qui a remporté une listed en Italie et qui a pris plusieurs places de groupe en Allemagne et en Italie.
là, à 12 000 euros l'enchère est là-bas, à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros l'enchère bien sûr, à 12 000. Une fille de quel argent? À 12 000 euros seulement. Alban, l'enchère, bien vu, Féné, à 12 000 euros. On a le juge. Merci messieurs, 12 000 euros. Normandie Pur Sang, merci votre enchère, 12 000 euros. C'est Normandie Pur Sang qui a enlevé l'enchère. Frisson du large, Malbé, né le 8 avril 2015, par George Vancouver et Sharp Love. Clever Love ici, Chap Justice Chapman, George Vancouver, mère Fastayev, mère Rapide, ici, donc, George Vancouver, les premiers produits sont en ligne. Et on débute tout de suite à combien? 3000. 3000 euros, voulez-vous 3000, 3000 euros, 3000, mettez 3000, voulez-vous 3000, 3000, voulez-vous 3000, 3000 euros, chien, voulez-vous 3000, 3000, oui, 3000 euros, mettez l'enchère, 3000, mettez prenez à 3000, oui, 3000 euros, c'est qui l'enchère, 3000, 3000, l'enchère là, 3000 euros, l'enchère à 3000, 3000 euros, l'enchère à 3000, 3000, 3000, 4000, 4000 maintenant, 4000, 4000, 4000, 4000, l'enchère là, 4000 maintenant, 4000, l'enchère à 4000, 4000, Guillaume, l'enchère, oui, 6000 maintenant, 6000 euros maintenant, Alban à 6000, à 6000 euros, c'est Alban l'enchère, à 6000 euros maintenant, 8000, 8000 l'enchère à 8000, 8000 l'enchère à 8000, 8000, à 8000 l'enchère à Guillaume à 8000, à 8000. Le 579, tandis que. On s'apprête bientôt à repartir avec notre véhicule, bien sûr, acheté à LTA, chez LTA Automobile, Patrick Lemarié. Les véhicules de tourisme, enfin les véhicules personnels et les véhicules utilitaires. Il y a tout ce qu'il faut chez LTA. Frisson du large, c'est le nom du 579 par Georges Vancouver et Charles Slovil, il est déjà nommé. Un nom flamboyant, Frisson du large. À 10 000 euros, le frère de Clever Love par Silver Frost qui a gagné déjà. Il a un autre frère qui s'appelle Équipier du Large, un Silver Frost qui a 2 ans, et après il y a donc Frisson du Large. Le lot numéro 580 présenté par le Hara des Longs, un mâle béfoncé né le 19 mars 2015 par Silver Frost et Sean. Silver Frost et Sean, Sean Aïe Chaparral. Coffre, c'est poulain ici, second produit de la souche de Skittles, Cervelia. Et on débute à combien, Sommer Abend? 10 000 euros pour Paul Nataf qui a acheté le frisson du large en question. 3000, le père de Silver Wave. À 3000 euros, mettez-vous en gère, à 3000, vous 3000, 3000 euros, il faut débuter à 3000. Oui, 3000 euros, à 3000 euros, lancez Grégoire, mettez-vous en gère. On parlait de Silver Frost, voici un des produits de Silver Frost, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père, présenté par le Hara des Longs. Thierry de l'Aironnière, il est né le 19 mars. La mère s'appelle Sean par Aïe Chaparral. À votre cher Grégoire, à 3000 euros maintenant, l'enchère est à vous, l'enchère à 3000, à 3000 euros votre cher Grégoire, à 3000. Il n'a pas couru, le premier produit n'a pas couru, ça va pas très bien se vendre ça, ça va être compliqué. Sous la deuxième mère, le meilleur produit c'est Mano Gamini, un black type en Inde, mais ça, ça dit pas grand chose aux acheteurs locaux, bien que les courses indiennes soient très intéressantes, vous avez pu le voir sur France Cire d'ailleurs, avec les nombreux reportages que nous avons effectués là-bas. Euros, enchères, en bas, à droite, bien vu, Fédé. On a le juge. Monsieur Paul Nataf, merci monsieur. Monsieur Paul Nataf, toujours là. Le lot numéro 581, présenté par le Hara des Longs, une femelle B née le 23 mars 2015, par Zambezison et Shinaba. Zambezison et la mère par Anaba. Anaba, excellent père de mère, Anaba. C'est la demi-sœur de bon vainqueur, trois vainqueurs dans Shining Dream, c'est Yalino, c'est Simba, c'est Ivory. Et on débute tout de suite à 3000. 3000 euros, la fille de Zambezison, voulez-vous 3000 euros? Zambezison, on en parlait il y a quelques instants. Zambezison qui est vendu, Zambezison qui a raté sa carrière des talents en France, faut dire les choses comme elles le sont. Et qui nous présente ici une pouliche présentée par le Hara des Longs. J'ai une enchère à 3000. Petite fille de Shining Molly qui était très très précoce, elle, Shining Molly. À 3000 euros, la fille de Zambezison. Gagnant du prix La Flèche, la première liste pour les 2 ans en Europe. En France, pardon. À 3000 euros seulement, 3000, à 3000 euros. À 3000 euros, l'enchère à 3000. 3000 euros, l'enchère à 3000 euros, l'enchère à 3000. À 3000 euros, à 3000 euros, l'enchère à 3000. 3000 euros seulement, allons-y, Stan. 3000 euros, budget ça. 3000 euros. À 3000 euros, Zambezison, j'ai une seule enchère là-bas. À 3000 euros. Le marteau va tomber. 3000 euros seulement, vous la laissez partir. À voilà Guillaume, 3500 c'est pris et 3500 il était temps. À 3500, eh bien non, le marteau n'est pas tombé. À 3500, vous voyez Guillaume, à 3500, à 3500, ici encore, à 3500 c'est Guillaume Blanchère. À 3500 euros, nous vendons la fille de Zambezison à 3500 euros.
Ah bah 4000, Grégoire à 4000 euros maintenant, nouvel enchérisseur à 4000. Alors Guillaume, à 4000 euros, refaites encore moi signer, ouais, dites-moi oui, dites-moi non, dites-moi quelque chose. À 4000 euros, Guillaume 500. Bon, merci pour votre aide en tous les cas. 4000 euros, je vais l'adjuger à Grégoire à 4000 euros, pas d'erreur, c'est Grégoire à 4000 euros. On adjuge. Grégoire, 4000, merci, votre enchère. Le lot numéro 582, présenté par le Hara du Kenney, une femelle B née le 26 mars 2015 par French 15 et Signorella. A noter que ce lot est vendu sans TVA dans sa totalité. This horse is sold without VAT. Second produit d'une mère gagnante, mère pivotale. Et c'est la souche de Cativa Generosa, 4 mauvaises Signorita. Allons-y, on débute à combien ici? 3000, French 15, les premiers produits sont bien sûr, Guillaume à 3000 euros. Elle a un beau travers, cette pouliche à 3000, à 3000 euros, l'enchère à 3000, à 3000 euros. 3000 euros maintenant, Guillaume, l'enchère à 3000, à 3000 euros, l'enchère à 3000, à 3000 euros. French 15. Voilà, un étalon qu'on surveille avec intérêt. Ce sont ses premiers yearlings qui sont sur le ring. À 6000 euros maintenant, votre enchère à 6000 euros. Dont ce lot 582. Puis donc de French 15, pardon. Et Signorella, elle-même issue de Pivotal et Signora Cativa. Mère donc est la sœur de Cativa Generosa. Chaud de vitesse, hein. La grand-mère gagnant les Saint-Simon Stakes. Ah, 8 000 euros maintenant, c'est Grégoire Lanchier. 8 000 euros, il n'y a pas d'erreur. 10 000 maintenant du bout. Bah, des vitesses, non, je disais une bêtise, hein, parce que c'était plus. Enfin, elle était classique, la grand-mère, puisqu'elle a été troisième des Aux d'Italie. Et Cativa Generosa a été deuxième du prix Chloé sur 2100 mètres. Et la mère de Cat Moves, qui est un bon cheval de l'obstacle. Là, voyez-vous, qui a gagné le prix Romati et le prix Adartit. Et la grande course doit être Cagne à deux reprises, Cat Moves, femelle. La grand-mère assez cuite, par contre, elle, l'arrière-grand-mère assez cuite, par contre, elle était une vraie jument de vitesse qui a remporté le prix de Yakolev, le prix Yakolev en débutant sur 1100 mètres à Deauville. Et par contre, qui a donné elle cuite à un gagnant du prix Royal Oak sur 3100 mètres. Comme quoi, il n'y a pas de règle absolue. Voilà, donc pour l'instant, French 15 qui a été plutôt bien accueilli avec ses produits. Il en avait 8 à vendre dans toute cette session. Yes, sir. 25 000, Guillaume. 25 000 euros, l'un des beaux prix de la journée. Non, 26 000 euros maintenant, l'enchère de la 26 000. 26 000, oui. Et 26 000 euros maintenant à droite, l'enchère. 25 000 euros, enchère, à droite, au téléphone. Et 26 000 euros, je vais la juger. À vous, Grégoire, Guillaume, c'est fini. Battu, bien vu. On adjuge. FBA Agency, merci. Votre enchère, Grégoire, 26 000 euros pour le French 15. Le FBA Agency, père de Roubaix. Une femelle B née le 31 mars 2015 par Vale of York et Sister Swank. A noter que Divléré compte 2 places en 3 sorties. Beauty Swan, Swan Seren, donc Vale of York, ici la propre sœur de Beauty Swan gagnant. Et on débute à combien? Donc Divléré, oui, effectivement. Alors. Depuis la partie de 4 ans, placé 2 ans. Pardon. La 2 ans. Petite fille de Invisible Spirit. On débute tout de suite à 3000. 3000 euros l'enchère. Oui, bien sûr, Grégoire, déjà vous l'enchère à 3000. Une fille de Vale of York et Sister Swank. Alors, Vale of York, c'est un nouvel étalon jeune. Enfin, c'est pas un nouvel étalon, mais c'est un jeune étalon récemment arrivé au rat des Faunes, à côté de Kaylev, qui a été également envoyé par le Qatar. Chez Alain Chopin. Cheval de vitesse, hein, fils d'Invincible Spirit. Vale of York, gagnant de la Breeders' Cup Juvenile. Face aux Américains, gagnant au groupe 1, donc. Père d'une très bonne jument italienne Fontanelice notamment, et la mère Sister Swank était aussi une très très bonne jument aux États-Unis, gagnante de groupe 3, gagnante de Listed là-bas. Une souche américaine ici, purement américaine, même si le père Vale of York n'était pas proprement parlé américain, mais il est allé gagner sur les terres du Nouveau Monde, cette Breeders' Cup juvénile. On adjuge. 8000 Alban. 8000 euros. Bon, on reste. Le lot numéro 584, présenté par le Hara de Molpère, Polo the Great, mâle B foncé, né le 13 mars 2015 par Pedro the Great et Cisalia. A noter que ce cheval présente une plaie superficielle au niveau du canon. Oui, c'est racheté. Et qui lui administrait un anti-inflammatoire et un antibiotique. Madame l'ermite qui signe le bulletin. 4 courses et 21 places très régulières, sa mère, près de 100 000 euros de gains, 90 000. Son premier produit, Villa Molitor, la mère est sœur de Villa Molitor, c'est la souche, la bonne souche ici de
de Molpère, Kragina, Tuzla, allons-y, 3000 minimum, 3000 euros, un bon poulain ici, très élégant. Oui, Grégoire s'est déjà pris par vous l'enchère, 3000 euros, mettez 5000, 3000 euros, mettez 5000, voulez-vous 5000 ? 5000, 5000 euros l'enchère est là, 5000, mettez 7000, 7000, voulez-vous 7000, 7000, oui, à 7000 euros, mettez 10000, à 7000 euros, allons-y, mettez 10000, à 7000 euros, à 7000 euros, un beau poulain ici, très élégant, oui, mais 10000, à 10000 maintenant, à 10000, à 10000 euros l'enchère, à 10000 euros, is a lovely colt, à 10000 euros l'enchère, à 10000, à 10000 euros, à 10000 euros, is an elegant horse, à 10000 euros, 12000, 12000 maintenant, 12000 euros maintenant, 12000 euros, Tony, bravo Tony, à 12000, à 12000, à 12000 euros l'enchère est à Tony, à 12000, à 15000, à 15000 euros maintenant, 14000 si vous voulez, à 14000, à 14000, à 14000 euros l'enchère, à 14000, à 14000, à 14000 euros contre vous, Tony, à 14000. À 14 000, à 14 000, oui, 16 000, 16 000 euros maintenant, Tony, à 16 000, à 16 000 euros l'enchère est là, à 16 000 euros, un joli poulain ici. À 16 000 euros, c'est contre vous, à 16 000, à 16 000 euros, à 16 000 euros, que dit-il le second, à 16 000, à 16 000 euros, mettez 17 000 si vous voulez. Oui, 17 000, 17 000 euros l'enchère à 17 000, à 17 000, à 17 000 euros, mettez 18 000, à 17 000, is a lovely horse, is a nice looking colt. Oui, 18 000 euros, l'enchère est à 18 000, à 18 000, à 18 000 euros, il faudrait arrondir, monsieur. Ah bien, 20 000, merci pour votre aide, monsieur, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, bien. Alors, le fils de, fils de Predo, ah, Pedro the Great. Alors, à l'araignée du haras de la Haineuve, où le cheval est stationné, à l'araignée est très intéressé, évidemment. Ce n'est pas lui qui présente, ceci étant le poulain, c'est le haras de Molpère. Alors, le haras de Molpère, c'est Pierrick Rouxel. Les deux hommes se connaissent très très bien, hein. Puis l'un est... Ils sont tous les deux des piliers de la SELCO, l'association des éleveurs de chevaux de course dans l'Ouest. L'un en est le nouveau président, d'ailleurs, Pierrick Rouxel, le directeur du haras de Molpère. Et l'autre, Alain Régnier, un des membres très actifs. Il s'appelle Polo the Great, c'est un neveu de Villa Molitor. Très belle famille, très solide, la mère est Padre Mouel. Et nous en sommes à 24 000 euros. L'un des gros gros prix de cette vente. On vient de vendre un poulain à 26 000 euros. On avait déjà vendu un poulain à 26 000 euros lors du début de cette vacation, tout début de vente. Là. Je suis en train de vérifier si ce n'est pas le gros top price. À 26 000 euros, n'ayez pas de regrets, madame. Vous pouvez mettre 30 000 ou 27. À 26 000, l'enchère est à droite et je vais la juger. Merci pour votre patience. À 26 000 euros, pas de regrets, c'est sûr. Bien vu, fini. À 26 000, on la juge. Jean-Pierre Gauvin, merci, monsieur Gauvin. Jean-Pierre Gauvin, dites donc, il est motivé. Jean-Pierre Gauvin, il a acheté tout à l'heure le produit de Feel Like Dancing pour 13 000 euros. Et là, nous avons... Un poulain très bien né, un neveu de Villa Molitor, acheté par Jean-Pierre Gauvin, donc pour la somme de 26 000 euros. Le top price de la première de cette journée, il est à 30 000 euros, tandis qu'on salue nos amis, de Lancaire et compléments vétérinaires. 3 000 euros, l'enchère à 3 000, 3 000 euros, 3 000, 3 000 euros, il y a été prenant à 3 000 euros, voilà. 3 000 euros. Oui, 3 000 euros, bravo, Tony l'enchère. Ah, 3 000 euros, j'ai une enchère à Tony, à 3 000, à 3 000 euros, 4 000, à 4 000, à 4 000, à 4 000, 4 000, à 4 000 euros maintenant, l'enchère à 4 000, à 4 000 maintenant, Grégoire, à 4 000, à 4 000. Pardon, 27 000 euros, je disais une bêtise, 27 000 euros pour les 537 en tout début de journée. 5 000 euros maintenant, 5 000, 5 000 euros, à 5 000 euros. Fils de Redoute Choice et Garota d'Aipanema. Et 5 000, à 5 000 euros. Et après, il y a toute une série de choix à 26 000 euros. À 7 000 euros maintenant, l'enchère, à 7 000 euros maintenant, l'enchère. Alors maintenant. À 7 000 euros l'enchère à Grégoire, 7 000, 7 000. On passe au haras de Clairefontaine qui nous présente les filles de Georges Vancouver et Sky Galaxy. 9 000, 10 000. Il n'a pas vu, mais moi j'ai vu. Hein. 10 000, c'est là, Grégoire, devant vous. À 10 000 euros, c'est juste devant vous. À 10 000 euros, l'enchère est là, à 10 000. À 10 000, l'enchère est là, à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros, nous vendons à 10 000. À 10 000 euros, c'est sûr, nous vendons à 10 000. L'enchère est là, devant. À 10 000 euros, bien vu, Fenné, George. C'est Arnaud Bédoué, Christophe Escuder. Bon adieu, monsieur Escuder, merci monsieur. Et Anne Guillet, la fille de Chervé, qui viennent de se faire adjuger le lot 585 pour la somme de 10 000 euros. La femelle de George Vancouver, présentée par Marie-Laure Collet. 7 avril 2015. Par Style Vendôme et Sloan de Beaurepaire. A noter que Chambéry, le demi-frère, compte une place pour ses débuts. Style Vendôme, le fils de Style Vendôme, c'est le deuxième produit d'une sœur de Dunaden, le champion Dunaden, le gagnant de la Melbourne Cup, la Caulfield Cup du Hong Kong Vase. Deuxième produit. Et le. Alors, un cas un petit peu particulier ici parce que. C'est un fils de Style Vendôme, il nous est présenté par le haras de Castillon, un nouveau haras dirigé par Benoît Geffroy, créé par Benoît Geffroy qui est le directeur du haras de Bouctot par ailleurs pour le compte de Al-Shakab, le Qatar.
Il a utilisé bien sûr les services de Sylvain Vendôme qui fait la monte au rat de Bouquetot pour avoir cette semale née le 7 avril. Et ce mâle est issu donc de Sylvain Vendôme et d'une sœur du champion international Dunaden. Inoubliable Dunaden gagnant de la Melbourne Cup, de la Caulfield Cup, du Hong Kong Vase, enfin de plein de grandes épreuves et multiples placés de groupe 1. À 12 000 euros, à 12 000 euros, c'est contre vous, Julie, à 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 14 000, 14 000, 14 000, 14 000, à 14 000 euros, à 14 000 euros, tout est par vous contre vous, à 14 000, à 14 000 euros, à 14 000 euros, l'enchère est là, rien en face, à 14 000 euros, Sylvain Vendôme, 16 000 euros, 16 000 euros, à 16 000 euros, le 2 ans, 15 000, 18 000, 18 000 euros, à 18 000, 17 000, 17 000 euros, à 17 000 euros, à 17 000 euros, c'est Laura l'enchère contre vous, Julie, à 17 000 euros, à 17 000 euros, mettez 18. 18 000, bien vu, à 18 000 euros, à 18 000 euros, c'est contre vous, Laura, à 18 000, à 18 000 euros, arrondissez, mettez 20, à 18 000 euros, à 18 000 euros, l'enchère en haut, à 18 000 euros, pas d'erreur, à 18 000 euros, c'est votre enchère, Julie, à 18 000 euros, fini, à 18 000 euros, issu de la sœur de Dunaden, à 18 000 euros, c'est fini, 19. 19 000 euros, à 19 000 euros. Ça monte 1000 par 1000, mais ça monte. Deuxième produit de la sœur de Dunaden, qui a eu un 2 ans par Monitor Closely, qui s'appelle Chambéry. 20 has been on the right side. I got 20 has been now. Bid one more. I got 20 against you, sir. Bid one more. I got 20 has been now. Half a sister to Dunaden. One, yes, yes. Have a middle row. Have a middle row. We're selling on the right side. Have a middle row. It's against you. Quite sure this time. Have a middle row. Dernière fois. 21 000, nouvel enchérisseur, 21 000, 21 000 euros, nouvel enchérisseur, à 21 000 euros, à 21 000 euros, l'enchéré par Camille, 21 000, à 21 000 euros, à 21 000 euros, 22, 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 straight across. À 22 000 euros. À 22 000 euros. Good evening, 22 000. À 22 000 euros. We're selling right-handed now. À 22 000 euros. You're quite sure this time. À 22 000 euros. Last time. All done. Fini. Dernière fois. À 22 000 euros. We're selling. 23. 23. À 23 000 euros. À 23 000 euros. Tout est à refaire, Laura. À 23 000. À 23 000 euros. À 23 000 euros. C'est encore Laura. Steve Vendôme. Est-ce que nous avons ici le top price? Je vous rappelle que le top price de la journée, il est à 27 000 euros pour un produit de Renault Choice qui est passé en tout début de journée. À 24 000 euros, à 24 000 euros, thank you for your help, à 24 000 euros, c'est Laura. Il était présenté par Laura de Grand Camp, et là nous en sommes à 24 000 euros. Il y a plusieurs lots à 26 000 euros. Là nous en sommes à 24 000 euros. Le marteau va tomber. Laura, 24 000, votre enchère, merci. Le lot numéro 587, présenté par le Hara du Haguenay, Kissas, femelle B, née le 20 mars 2015, par Manduro et Sol Schwartz. A noter que sa demi-sœur Sigisby compte une place pour ses débuts et que ce lot est vendu sans TVA. This horse is sold without VAT. Fille de Manduro, belle pouliche de Manduro ici. A noter que la 2 ans est placée pour ses débuts. La 2 ans placée pour ses débuts, ça va être le Sandbar de Brasileira de Xarino. Belle famille ici. C'est l'ancienne assistante de Conmarnan, j'ai oublié son nom, une Irlandaise, petite courtière irlandaise, super sympa, hyper active. Qui est acheté pour 24 000 euros le lot précédent. Alors maintenant on va passer à Manduro avec le Hara du Haguenay. Donc qui a perdu son... pas son fondateur, mais l'homme qui l'a mis sur la place publique, en tout cas, Yvon Baudouin, la semaine dernière. Qui sas. C'est le nom de cette fille de Manduro et Sol Schwartz, par Hernando. La famille de Sandbar et Brasileira. J'ai l'impression que ça va être acheté. C'est une enchère, monsieur ? À 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, 13, à 12 000 euros, à 12 000 euros, fini à droite, à 12 000 euros, 13 000 euros, nouvel enchérisseur, à 13 000 euros, l'enchère au téléphone, à 13 000 euros, à 13 000 euros, l'enchère 13 000, 13 000 euros, 13 000, 13 000 euros, 13 000, à 13 000 euros, 15 000, 15 000 euros, 15 000. Ah non, ça monte. 14 000. 14 000 euros, à 14 000 euros, mettez 15 monsieur, à 14 000 euros, 15 000, 15 000 euros, 15 000, 15 000 euros, 15 000, 15 000 euros, 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros, l'enchère au téléphone, à 15 000, à 15 000 euros, 15 000 euros, c'est contre vous, monsieur, 15 000, 15 000 euros, 15 000, 15 000 euros, 15 000, à 15 000 euros, et nous vendons à droite l'enchère, à 15 000 euros, 16 000.
On essaie 18, monsieur. J'ai 16 000 euros contre vous. À 16 000 euros, mettez 18. À 16 000 euros. 16 000 euros, 17 000 si vous voulez. À 17 000 euros. À 17 000 euros. À 17 000 euros, l'enchère de 17 000. À 17 000 euros, que fait-on? 17 000 euros, c'est plus vous. À 17 000 euros, l'enchère au téléphone. À 17 000 euros, fini, monsieur, c'est sûr. À 17 000 euros, dernière fois. À 17 000 euros, nous vendons. À 17 000 euros, le marteau se lève. À 17 000 euros. On a du monsieur Gauvin. 17 000 euros, votre enchère, Laura, merci. Encore Jean-Pierre Gauvin, dites donc. 188, présenté par le Haras. Très actif, notre ami Jean-Pierre Gauvin, l'homme de Saunois, bien sûr, mais aussi l'homme de Siljan Saga, première française du Arc de Triomphe 2016, avec cette quatrième place obtenue derrière le trio de Aidan O'Brien. City, Mermansoul, un cheval avec du modèle ici, le fils d'Elusive City, beau poulain, Mermansoul, la famille d'Azamour, d'Anzari, d'Astarabad. Poulain avec du modèle ici, allons-y, 5000 euros, 5000 euros, à 5000 euros, Grigère, 5000, 5000 euros, 5000, 5000 euros pour des débats, à 5000 euros, c'est pas 5000, 5000 euros, 5000, 5000 euros, 5000, à 5000 euros, 5000 euros, Grigère, 5000, 5000 euros, 5000, 5000 euros, 5000, 5000 euros, 5000, à 5000 euros, Grigère, 5000, 5000 euros, 5000, 5000 euros, 5000, à 5000 euros, Grigère, 5000, 5000 euros, 5000, Elusive City, un poulain avec du modèle, 8000 euros, à 8000 euros, 10000, 10000 euros, 10000, 10000 euros, 10000, 10000 euros, 10000, 10000 euros, 10000, à 10000 euros, à 10000 euros, Lovely Coltier, à 10000 euros, à 10000 euros, Grigère, 10000, 10000 euros, 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 10000, à 10000 euros. 10 000 euros, c'est Guillaume qui déchire à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Sacré modèle que ce 588. J'ai 11 000, 12 000 euros. Très imposant. Le produit de l'Elusive City. Le fils de l'Elusive City, né le 8 mars, présenté par le roi de Saint-Faust. Contre vous, 14 000, nouvel enchérisseur, c'est Jean-Jacques, 14 000 euros. À 14 000 euros, c'est Jean-Jacques Enchère. Jean-Paul Larieux, dans le sud-ouest, la mère Suama par Monsoon. Gets you straight across. À 16 000 euros, c'est Stan Lanchier et pas Jean-Jacques. À 16 000 euros, à 16 000 euros, try again. À 16 000 euros, à 16 000 euros, Camille, c'est plus vous. À 16 000 euros, c'est contre vous, Jean-Jacques également. À 16 000 euros, à 16 000 euros, c'est Stan Lanchier, fini, messieurs. À 16 000 euros, fini au restaurant. À 16 000 euros, 17 000. 17 000, à 17 000 euros, à 17 000 euros, à 17 000 euros, mais 18, à 17 000 euros, à 17 000 euros, c'est Camille qui tient en chair. À 17 000 euros, on essaie 18, à 17 000 euros, fini, à 17 000 euros. 18 000, 18 000, 18 000, à 18 000 euros, mettez 20, try 20, à 18 000 euros, à 18 000 euros, bid 20, à 18 000 euros, bid 20, à 18 000 euros, à 18 000 euros, Jean-Jacques, je ne vous entends plus, à 18 000, à 18 000 euros, à 18 000 euros, c'est Stan Lanchère. 20 000, 20 000 euros, 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 20 000. À 20 000 euros, Stan, c'est contre 20 000. 20 000 euros, que fait-on? À 20 000 euros, à 20 000 euros, c'est Camille qui dit un cher. Fini, Stan, c'est sûr. 21. 2, I've got 21. 2, I've got 21. 2, à 21 000 euros. À 21 000 euros. À 21 000 euros, try one more, sir. À 21 000 euros, it's against you. À 21 000 euros. À 21 has been on selling left and now against you, sir. Try again. Alors, il est très très beau. Il vient de passer le cap des 20 000. 22 000 euros, à 22 000 euros, il est revenu à 22 000, à 22 000 euros, à 22 000 euros, à 22 000 euros, c'est contre vous, Stan, à 22 000 euros, à 22 000 euros, fini, Stan, c'est sûr, c'est contre vous, à 22 000 euros, l'enchère est en face, à 22 000 euros, rien à gauche, merci de votre aide, dernière fois, le marteau se lève, à 22 000 euros, merci, à 22 000 euros, fini, à 22 000 euros, on adjuge, monsieur Bietolini, 22 000 euros, votre enchère, Camille, merci. Gian Paolo Bietolini, entraîneur italien installé en France, très efficace. J'aime beaucoup cet entraîneur, Gian Paolo Bietolini. Il a la confiance notamment de la famille Ramsey, grand propriétaire américain. Depuis l'apparition du catalogue, et que ce cheval est vendu sans TVA. The Ramsey Farm. Lille Bourne-Lade, Mers Amindar, la 2 ans à nouveau placée, the 2-year-old was placed against in the catalogue sprinted, la famille de Railing, de Cross Harbour, de Portage, la famille de Portage. Allons-y, Lille Bourne-Lade, 3000 euros, 3000 euros, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 euros, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, à 3000 euros, 3000 euros, c'est pas 3000, 3000, 3000, 3000 euros, la famille de Portage, 3000 euros, à 3000 euros, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 euros, 4000 euros, 4000, 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 4000 euros, 4000 euros, 5000, 5000 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 euros, 6000, 6000 euros, 6000, 6000 euros, 6000, 6000 euros, 6000, 6000 euros, 8000, 8000 euros, 8000, 8000 euros, 8000, 8000 euros, 8000, 8000 euros, c'est contre vous, l'aurez 8000, 8000 euros, 10000, 10000 euros, 10000, 10000 euros, 10000. 10 000 euros, c'est contre vous, en face de 10 000. 10 000 euros, 12 000. À 12 000 euros, j'ai 12 000. 12 000 euros, 12 000. 12 000 euros, 12 000. À 12 000 euros, c'est contre vous, Laura, 12 000. 12 000 euros, c'est Julie. À 12 000 euros, que dit-on, Laura, 12 000. À 12 000 euros, c'est contre vous. À 12 000 euros. À 12 000 euros, c'est contre vous, Laura, pas d'erreur. À 12 000 euros, vous le berdez, le fils de Lille, Bourne, la mère, Zamindar, la famille de Portage. À 12 000 euros, 14 000.
J'ai 14 000 euros, 16 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 000 euros, Stan, c'est contre vous. À 16 000 euros, à 16 000 euros, Julie l'enchère. Rien à droite et fini Stan. À 16 000 euros, nous ne vendons pas l'erreur. À 16 000 euros, dernière fois, à 16 000 euros, c'est Julie. À 18 000, 18 000 euros, n'attendez pas le dernier moment. 18 000 euros plus vite, à 18 000 euros. À 18 000 euros, mettez 20, Julie, à 20 000. 18 000 euros, mettez 20. À 18 000 euros, 20 000, 20 000 euros, bien sûr, à 20 000. 20 000 euros, à 20 000, 20 000 euros, à 20 000. À 20 000 euros, 20 000, 20 000 euros, 20 000. Eh ben on finit pas mal cette session de vente. À 22 000 euros, fini Julie, c'est sûr. 22 000 euros, on finit mieux qu'on était parti, ça c'est clair. Enfin, on était parti sur le top price à 27 000 euros. Mais après, il y a eu quand même un peu de mou. Et là, on est reparti à 22, 20, 20, plusieurs chevaux à 26, 22 000 euros. Je n'ai pas vu qui est-ce qui avait acheté. Le précédent, c'était Giampaolo Bietolini. À Deauville depuis l'apparition du catalogue et que ce lot est vendu sans TVA. Discourse. Et là, à 22 000 euros, c'est racheté. Le Lillebourne Lad est racheté puisque c'est... je crois, enfin il est dans l'ombre, mais c'est, je crois, Eric Lhermitte qui signe le bulletin, pas vainqueur du coup. Tandis que là, nous avons le portrait craché du père, Maiguri, présenté par le Haras des Granges. Très précoce, Maiguri, un fils de Panis, vainqueur du prix Roland de Chambure, deuxième du Jean-Luc Lagardère. Il a fait que très très peu de produits, Maiguri. Avant d'arriver désormais chez Alain Chopard, on aura des faunes. Mais ici, c'est quand même la sœur de Bluster. Bluster, un fils de Indian Rocket. Excellent sprinter, gagnant du prix Servan à Chantilly, deuxième du prix Petit Couvert, groupe 3. Le Servan, c'est une listed. Multiple placé de listed. La famille aussi de Pum Pum Boy, Tender, The Scoot, Person Lux. Super. Même un pedigree. Elle a un pedigree de poulinière, cette pouliche. Mettez 6 000, monsieur. À 5 000 euros. À 5 000 euros. À 5 000 euros. Essayez 6 000, monsieur. À 5 000 euros, nous sommes. Nous avons Christian Baillet et Didier Guimain qui sont en train de mettre les enchères, je crois. Et là, ils sont battus. À 6 000 euros, qui met les enchères? À 6 000 euros. À 6 000 euros. Maiguri, il était entraîné par Christian Baillet, je le dis de mémoire, j'en suis pas sûr. 6 000 à 6 000, à 6 000 euros, c'est votre enchère maintenant. Camille, rien à droite, à 6 000 euros, à 6 000, on peut mettre 7 à 6 000, 6 000 à 6 000, 6 000 à 6 000, à 6 000 euros, c'est votre enchère en face, à 6 000 euros, c'est Camille, à 6 000 euros, dernière fois, et le marteau se lève, à 6 000 euros, fini, à 6 000 euros, on a le juge. 6 000 euros, Camille, votre enchère, merci. Le lot numéro 591, présenté par le Haras de Préau, rue de Lille, femelle B, née le 3 avril 2015, par Zanzibari et Villa Molitor. Alors, il n'y a plus beaucoup de chevaux. Hein. Si vous cliquez sur l'onglet « Avenir », Avenir... La mère est gagnante de l'Istel, est placée de groupe, la mère donc... C'est la famille de Toscanini, de Tuscany. On est quasiment à la fin du catalogue, qui comporte 608 chevaux. Zanzibari, 3 000 euros. 3 000 euros, 3 000 euros, mettez en chère, 3 000 euros, à 3 000 euros, c'est pour 4 000, à 4 000 euros contre vous, Ingrid, à 4 000, 6 000 euros, 8 000, à 8 000 euros, c'est contre vous, 10 000, à 12 000 euros, 14 000, à 14 000 euros contre vous, c'est à 14 000 euros, l'enchère 14 000 euros, c'est contre vous, c'est à 14 000 euros, l'enchère est au restaurant à 14 000 euros, à 14 000 euros, c'est Ingrid qui l'enchère 14 000, à 14 000 euros, à 14 000 euros, pas d'erreur, la fille de Zanzibari, la mère gagnante de liste, elle est placée de groupe, à 14 000 euros, c'est Ingrid qui l'enchère, pas d'erreur, fini Stan, à 14 000 euros, c'est contre vous, à 14 000 euros, dernière fois, et le marteau se lève, à 14 000 euros. Laisser partir la qui fille de Zanzibari achète mère gagnante de liste, elle est placée cette fille de Zanzibari, tandis que le lot 590 a été vendu pour 6 000 euros seulement. On a dû racheter 14 000 d'ailleurs. Euros au et là, c'est au merci. Restaurant. Le lot numéro 592, présenté. Que le 591 rue de Lille par Zanzibari et Villa Molitor est vendu. Tout à l'heure, on avait un neveu de Villa Molitor par Style Vendôme qui s'est bien vendu à 20 et quelques mille.
Là, la sœur de, la fille pardon, de Villa Molitor, pas Zanzibari, seulement 6 000. Seulement 14 000 quand même, c'est tout à fait respectable. Marisca Sorrento, le patriarche, il est toujours là, le champion des obstacles au Haras du Lion. Raj Zaman, le père de Bramto. Allons-y, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. Le Haras du Lion, bien sûr, c'est en Anjou. Mais c'est de la Bretagne que vient le poulain suivant, présenté par l'élevage du Traouland, en Bretagne donc. Un fils de Raj Zaman qui n'est pas gris. Et Yezidis par Ski Chief. Yezidis, 3 victoires, de nombreuses places, de 3 habitants, la mère. Ce qui ne l'a pas empêché de devenir une poulinière tout à fait respectable, puisqu'elle a déjà donné naissance à Boise, une fille de marchand de sable, qui est Black Type, troisième du prix Miss Satanixa. À 8 000 euros l'enchère, et à droite, Fini Guillaume. Famille péruvienne, sous la quatrième mère, c'est assez surprenant. Fils de Raj Zaman, à 8 000 euros, c'est fini. À 8 000 euros, merci de votre aide. À 8 000 euros, on a du Valentin, 8 000, votre enchère, merci. Le lot numéro 593, présenté par le haras du château de Rabodange. Femelle B, née le 4. J'ai le doute, m'habite. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, le marteau est tombé à 8 000 euros. Et dans quelques minutes, vous pourrez avoir dans la colonne des résultats. Non, c'est Zied Romdan qui achète pour 8 000 euros le lot précédent. Zied Romdan, le Tunisien, qui travaille pour la Libye, pour le Maroc, enfin pour de nombreux pays, pour la France aussi. Notamment, il achète assez régulièrement pour le compte du haras de la Covinière. Je vous rappelle qu'il avait acheté un produit à 40 et quelques mille euros l'année dernière, alors que Sylvain Vidal avait dû quitter la salle parce qu'il y avait une soirée de gala. Et là, vu que c'est un Raj Zaman, c'est pas tout à fait impossible qu'il ait acheté pour le compte de Jean-Augustin Normand, Sylvain Vidal. Enfin bon, l'entourage du haras de la Covinière, le lot précédent par Raj Zaman. Raj Zaman, bien sûr, fait la montée au haras de la Covinière. Bien, le château de Rabodange nous présente cette fille de Rock of Gibraltar. Par Julie contre Voustan. À 6 000 euros, c'est fini. Camille, c'est sûr. À 6 000 euros, l'enchère en face. Julie l'enchère. À 6 000 euros, Finistan. À 6 000 euros, dernière fois. Et le marteau se lève. À 6 000 euros, merci de votre aide. À 6 000 euros, on a juge. 6 000 euros, votre enchère. Julie, merci. 6 000 euros pour fille de Rock of Gibraltar et Adolfina, qui est Black Type. Fleur Béret, femelle B, née le 8 février 2015. Par Hurricane Cat et Ajab Béret. A noter que cette pouliche s'est accidentée ce jour. Elle présente une plaie superficielle au niveau du canon postérieur gauche qui a nécessité la pose d'agrafe. Elle a également été traitée avec un anti-inflammatoire et un antibiotique. Fille d'Hurricane Cat, premier produit donc d'une sœur d'Ozone. Alors, une pouliche qui s'est accidentée ce jour. Elle s'est blessée dans son box malheureusement, mais bon, c'est pas grand-chose. Le veto a dit que déjà elle pouvait passer sur le ring et puis son. D'une sœur de oui, effectivement, elle a un bandage au postérieur gauche. C'est une blessure qui n'engage pas du tout son avenir sportif. Fleur Béret, présentée par le haras de la Haineuve à l'araignée. C'est la nièce de Ozone Béret par Hurricane Cat. Ozone Béret, gagnante de groupe, gagnante de Good Group aux États-Unis, gagnante de Listed en France. Famille de Chouette, Temple Bar, Anazone, sous la deuxième mère. La mère, la grand-mère Ajab Al-Zaman, qui a un nom difficile à prononcer, est une véritable bonne poulinière. À 8 000 euros, rien au restaurant. 8 000 euros. 8 500, si vous voulez. 8 500 parce que c'est vous, à 8 500 euros, à 8 500 euros, à 8 500 euros, couvre l'enchère de 8 500, à 8 500 euros, c'est votre enchère, Laura, 8 500, à 8 500, 9 000 euros, mettez 10, 9 000 euros, arrondissez, à 9 000 euros, mettez 10 pour l'avoir, à 9 000 euros, à 9 000 euros, mettez 10, à 9 000 euros, 9 000, à 9 000 euros, une seule enchère, Laura, à 9 000 euros, vous la perdez, à 9 000 euros, fille de Hurricane Cat, à 9 000, à 9 000 euros, fini, à 9 000 euros, dernière fois, à 9 000 euros, 10 000, à 10 000 euros, 10 000 euros, l'enchère de 10 000, à 10 000 euros, fini, à 10 000 euros, dernière fois, et le marteau se lève, à 10 000 euros, l'enchère en face à 10 000 euros. On adjuge. Monsieur Nicolaï, 10 000 euros. Votre enchère, Laura, merci. Monsieur Denis Colaï, jeune entraîneur. Présenté par le haras de la Hétrée.
Akinator Game. Je crois que c'est le neveu de Yves de Nicolas. 2015, par George Vancouver. Si je ne raconte pas de bêtises. George Vancouver, Mare Giants Causeway. Qui achète c'est donc, qui a achète donc à 10 000 euros le Hurricane 4 qui vient de passer. La Hurricane 4, pardon, qui vient de passer. Fils de George Vancouver, Mare Giants. Qui laisse sa place. Allons-y, 3 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros, George Vancouver, 3 000 euros, il s'est pris à 3 000. Un étalon qui est au contraire de Hurricane 4 pas confirmé puisqu'il il est tout jeune, ses premiers produits sont yearling. Il s'agit de George Vancouver, cheval précoce gagnant de la Breeders' Cup Juvenile Turf aux États-Unis. C'était la première édition de cette épreuve. Et là, le produit s'appelle Akinator Game. Il est présenté par le Haras de la Hetraie. Pascal, nous. 6 000 euros, Guillaume, c'est contre vous. 6 000 euros, George Vancouver. 6 000 euros, que dit-on, Guillaume? 6 000 euros, rien à gauche, 6 000. 6 000 euros, l'enchéré par Julie. 6 000 euros, fini Stan. 6 000 euros, l'enchère est en face. 6 000 euros, c'est Julie l'enchère. 6 000 euros, dernière fois, 7 000. 7 000 euros, il était temps. 7 000 euros. 7 000 euros sur le fil. 7 000. 7 000 euros. 7 000 euros. 8 000. 8 000 euros. 8 000 euros, c'est contre vous, Camille. 8 000. 8 000 euros contre vous, Camille. 8 000 euros, dernière fois. Et le marteau se lève, cette fois. 8 000 euros, fini. 8 000 euros, merci. 8 000 euros. On a le juge. 8 000, Julie, votre enchère, merci. Le lot numéro 596, présenté par le Haras du Logis. Un mâle alzan né le 15 avril 2015 par Rio de la Plata et Askar Asia. 8 000 euros pour le 596. Alors maintenant, on va passer au 596. Le père de vainqueur, ici, Moutatir. C'est la famille on n'a plus que 10 lots sur le ring à passer. Fils de Rio de la Plata, donc père de vainqueur. Rio de la Plata et Akrasia. Rio de la Plata, il fait la montre au Haras du Logis. Et c'est d'ailleurs le Haras du Logis qui nous présente ce petit fils. Ce petit fils de Pretty. Pretty. Du moins qui était entraîné par John Amon. Si je ne m'abuse. Qui a gagné l'Istad, le prix d'automne à Longchamp. Rio de la Plata, père de vainqueur. Dans les premiers produits en 2 ans. La mère est par Mutatir. Il a une belle robe alzane brûlée. 4 000 euros, tout est parvoué contre vous, Julie, à 4 000 euros. Le fils de Rio de la Plata ici à 4 000 euros, c'est Julie, à 4 000 euros, dernière fois, à 4 000 euros, l'enchère en face, à 4 000 euros, le marteau se lève, à 4 000 euros, fini, à 4 000 euros, on a du. 4 000 euros, Julie, votre enchère, merci. Là, on a eu une enchère qui était au moment où le marteau était en train de tomber, donc au moment où le marteau était tombé, donc c'était trop tard. Amal B, né le 27 mars 2015 par Sedgeberg et Anna Duns. Fils de Sedgeberg, mère Annaba, c'est le même croisement que Spainberg. Alors, Sedgeberg, oui, Sedgeberg avec une mère par Annaba, ça nous rappelle bien sûr Sedgeberg. Spainberg, la jument de Xavier Thomas de Mould qui vient de s'imposer dans les Rockfall Stakes avant sa vente pour 1 million d'euros à la vente de l'arc chez Xavier Thomas de Mould. Il nous est présenté ce poulain par le rat des EV, Daniel Cherdeau. Le même croisement que Spainberg, the same cross as Spainberg, 5 000 euros, 6 000. C'est la famille de Varévé et Magic Mambo, toujours cette même famille que Daniel Chardot exploite depuis plus de 20 ans et qui lui a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. 8 000 euros, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8
60, cette Matrone Safaroa. 10 000 euros, 16 000 euros, le même croisement que Pittsburgh. 17 000 euros, c'est bien votre enchère, Ingrid. 17 000 les enchères sont en train de monter, pas étonnant. 18 000 cheval à la mode, beau poulain, issu d'une jeune poulinière qui n'a pas gagné certes Anna Danse, mais deux places en deux sorties il y a deux ans. 20 000, voilà. Bing, la petite cloche qui va sonner là. 20 000 euros, c'est Julie enchère. Voilà.
22 000. J'ai 22 000 euros déjà plus vous. À 22 000 euros. À 22 000 euros, c'est contre vous, Ingrid. À 22 000 euros, c'est Camille Enchère. À 22 000 euros, et que dit-on, Julie? À 22 000 euros. À 22 000 euros, c'est contre vous. Vous le perdez, le fils de Sashberg, Lovely Colt here. 22 000 euros, Sashberg, on Anaba, the same cross as Painberg. À 22 000 euros, c'est votre enchère en face, Camille. 23 000, 23 000 euros, 23 000, mettez 25. À 23 000 euros, mettez 25. À 23 000 euros, à 23 000 euros, l'enchère par Julie, 23 000. À 23 000 euros, mettez 25. 25 000 euros, 25 000. 25 000. Ah, attention, le top price de la journée. À 25 000 euros, c'est contre vous, Julie, 25 000. À 25 000 euros, it's against you straight across. We're selling on the right side. À 25 000 euros, à 25 000 euros, 26 000, 26 000 euros, vous êtes toujours 3. Attention, le top price de la journée pour l'instant c'est 27 000. Il y a plusieurs chevaux à 26 000. À 26 000 euros, mettez 28 à 26 000. À 26 000 euros, a lovely colt here, 27. À 27 000 euros, à 27 000 euros, mettez 30. Ingrid, j'ai 27 000 euros. À 27 000 euros, c'est 30. 27 000 euros. À 27 000 euros, c'est contre vous. À 27 000 euros. À 27 000 euros, c'est Camille Enchère. À 27 000. À 27 000 euros, fini Julie. À 27 000 euros, rien au restaurant. À 27 000 euros, le marteau se lève. À 27 000 euros. 28 000. 28 000 euros, n'attendez pas le dernier moment, vous avez failli le perdre. 28 000 euros, à 28 000 euros, mettez 30. À 28 000 euros, à 28 000 euros, à 28 000 euros, c'est contre vous. 29 000, 29 000 euros, à 29 000 euros, je ne peux plus attendre cette fois. À 29 000 euros, l'enchère en face par Camille, fini au restaurant, rien dans la salle, rien au restaurant, pardon. À 29 000 euros, 30 000, 30 000 euros, 30 000, 30 000, 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, contre vous, messieurs. À 30 000 euros, à 30 000 euros, plus vite les enchères. 30 000 euros. Le top price de la journée, il est devant nous, il est devant vous. C'est un fils de Sedgeburg présenté par l'élevage des Évées, la Bretagne, à côté de Saint-Brieuc. Il est content, Daniel Chardot, il a le sourire, je le vois. 30... Oh là, puis c'est pas fini, ça s'enflamme. Partez pas, monsieur, à 34 000. À 34 000 euros, l'enchère est au restaurant. À 34 000 euros, fini en face. À 34 000 euros. À 34 alors, si l'enchère est au restaurant, bien sûr, je vais avoir du mal à savoir qui c'est. Mais là, on a remis une enchère à 36 000 euros. À 36 000 euros, c'est fini au restaurant cette fois. Dans la salle. 37 000 euros à 37 000. Ah non, on repart de l'autre côté. 36 000, on pulvérise le top price. 37 000 euros, le top price, bien sûr, de cette journée de clôture. 38 000 euros, fils de Sashberg-Mer, Anaba. 38 000. 40 ouf. 38 000 euros. À 38 000 euros, mettez 40, Ingrid, à 38 000. À 38 000 euros. À 38 000 euros, c'est contre vous, Ingrid, toujours à 38 000. Très, très beau fils de Sedgeburg. Il a le croisement qui va bien. Il marche très bien en plus. À 38 000 euros, l'enchère est en face par Camille. Attention, le marteau va tomber pour le top price. On est juge. MAB Agency, 38 000. Marc-Antoine Bergracht. Le lot numéro 598 est absent. Nous passons au lot numéro 599. Marc-Antoine Bergracht qui achète à 38 000 euros le top price de la quatrième journée. Par Soyosync et Actioniki. A noter que Tisvi compte une place supplémentaire depuis l'apparition du catalogue et Avroti compte une place pour ses débuts. Eh oui, vous avez vu les updates. La 3 ans régulière qui vient encore de reprendre une place. La 2 ans par Nathaniel qui vient de se placer deuxième pour ses débuts, la fille de Soul You Think. Ici, combien commençons-nous? 5, 5 000, 5 000, tu m'appelles à 5 000, à 5 000. À 5 000 euros, mettez vos enchères à 5 000, 5 000. 5 000, 3 si vous voulez pour débuter. Bah, 3, 3, 3 000 euros, tu m'appelles à 3 000. 3, c'est pris Camille, à enchère à 4 000, à 3 000. À 3 000, l'enchère ici à Camille. L'enchère à 3 000. À 3 000 euros, l'enchère à Camille ici en face. À 3 000 euros, l'enchère que nous avons maintenant. Mettez 3, mettez, j'ai 3, mettez 4. J'ai 3, mettez 4. J'ai 3, mettez 4 pour la fille de Soul You Think. Premier 2 ans, qui est déjà un gagnant de stakes. 3 000 euros par Camille, l'enchère pour la fille de Soul You Think avec deux bons updates. 4. À 4 000 l'enchère, Alban à 4 000. À 4 000, à 4 000 euros l'enchère ici à gauche. Plus vous, Camille à 4 000 euros l'enchère. Et Alban l'enchère ici à gauche. La famille du champion Oratorio. Et on est à 4 000 euros. À 4 000 euros, suivons. À 4 000 euros, je ne peux plus attendre. À 4 000 euros, que dites-vous, Camille? À 4 000 euros, nous allons devoir la juger à 4 000 euros par Alban à gauche. À 4 000 euros, pas d'erreur. Julie, 5 000 à 5 à 5 000. 5 000 à 5 000, tout est à refaire à 5 000 à 5 000. À 5 000 l'enchère ici, en face, par Julie. Belle update, deux updates avec un 2 ans qui s'est placé encore pour ses débuts. Deuxième, à 5 000 euros l'enchère ici, par Julie. L'enchère à 5 000, à 5 000 pour le fils de So You Think. Et on va juger à 5 000 euros. Pas d'erreur, personne. Alban, Camille, 5 000. On adjuge. 5 000 euros. Bon, là, l'émotion est un peu retombée. Nous en sommes à 5 000 euros pour le 599. Puisque le lot 588 est absent. Le 600, il n'y a plus que 6 lots au catalogue, chers amis. Mars 2015 par Orpen et Barraquette Ferrios. Après, il y a un Diamond Green, après un Whipper, Poets Voice, My Boy Charlie Chamalgan, Slickly, Silver Frost,
Planteur, ce sera le 608. Le dernier lot est absent. 3000 euros qui m'appellent à 3000. 3000 euros, mettez vos enchères à 3000 euros. 3000 à 3000 euros, mettez vos enchères à 3000 qui m'appellent à 3000 pour la firme Yagakan à 3000 euros. 3000 à 3000 pour ce fils d'Orpen et talon ultra confirmé, bien sûr, à 3000. 3000 euros qui m'appellent à 3000. Alors, Orpen et Barraquette Férouz, la mère. Mais c'est une souche Yagakan, c'est la famille de Ashkalani, c'est la famille de Chafaraz. À 3000 euros, mettez vos enchères. À 3000 euros, deux derniers coups d'œil. À 3000 euros, encore quelques instants de bruit. 3000 à la casquette ici, monsieur, merci. À 3000 euros, à 3000. À 3000 euros ici, l'enchère ici, à 3000 pour ce fils d'Orped, la mère sœur de Gengis. Super cheval, souvenez-vous de Gengis. Et oui, on est à 3000 euros ici, à 3000 pour le fils d'Orped. Une seule enchère, je vais devoir la juger. Personne ne m'appelle par ailleurs, pas d'erreur. 3000 euros, monsieur ici, 3000, on la juge. 3000 euros. Par Grégoire. Le lot numéro 601, présenté par le hara de la R Bougère. BK Pearl, femelle B, née le 14 mars 2015 par Diamond Green et Bérangèle. A noter que c'est la famille de Beckham 6 qui compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue dans le critérium de vitesse. Liste. Alors, quelques informations et concernant et le top price. Ici, le 597, c'est le critérium de vitesse. Sageberg. Présenté par Daniel Cherdeau, du hara des Évées, a profité pour appeler Annelise Le Gorge pour réserver vos publicités pour les ventes de novembre. Une vente spéciale obstacle. 3000 euros, mettez-vous en chair à spécial obstacle. À 3000 euros, l'enchère ici. Deux ou trois jours de vente, les ventes d'automne, ici même à Arcana, avec lesquelles on aura une grande émission spéciale sur France TV. À 4000 Alban, à 4000 c'est ici, à 4000 c'est à gauche, une sœur de deux vainqueurs. Amis étalonniers, entre autres, n'oubliez pas de réserver vos la mère sœur de deux gagnants de liste. Pour vos étalons, entre autres, vous avez les ventes de novembre, les ventes de décembre également, les ventes d'élevage. Plus vous Valentin, contre vous, à 6000 euros c'est Alban. Donc je vous disais, quelques informations concernant le top price, c'est Mab Agency, Marc-Antoine Bergache qui a signé le bon. Pour des propriétaires espagnols, et le poulain ira à l'entraînement chez Mauricio del Cher Sanchez dans sa nouvelle écurie. C'est l'écurie Mola, anciennement la propriété des Collets, des Boutins également. On est à 7000 euros et c'est au fond du passage. Que dites-vous Alban? Pour ce lot 597, donc un fils de 7000 euros. Paranaba, si personne ne m'appelle par ailleurs. Tout à l'heure au micro, le même croisement que Spengberg. J'ai 7000 euros, tentez 8. À 7000 euros, on va la juger. Oui, 8, merci Alban. À 8000 euros, à 8000 euros, à 8000 euros, c'est à gauche ici, c'est plus vous là-bas au fond. À 8000 euros ici, à gauche, l'enchère pour le fils de Diamond Green, pour la fille de Diamond Green. Très belle update, vous l'avez vu, bien sûr. Le neveu de Bertranicus. Euros, mettez 10. Le neveu de Beccadoré, le cousin de Storminator. 9000, à 9000 au fond ici, à 9000 euros l'enchère ici, au fond du passage par Grégoire, l'enchère à 9000 euros que dites-vous. Je vois Jean-Charles Aimé du hara de la Croissonnée que j'ai rencontré tout à l'heure et il m'a expliqué que Kairish Wells a été loué par des Irlandais. Très belle update à 9000 euros. Et on aura plus d'informations ces prochains jours sur France. Donc Kairish Wells part en Irlande pour la saison 2017. Le lot numéro 602 présenté par le Bernd Van Dalen. Big Words, femelle B, née le 4 février 2015 par Whipper et Big Monologue. A noter que cette pouliche fut vendue sans TVA, à hauteur de 100%. This filly is sold without VAT. Eh oui, une fille de Whipper, elle est d'ailleurs très signée de son père. Whipper, une pouliche qui bouge bien, qui se sert bien de son dos. La mère est Black Type. Ah oui, absolument. Une fille Whipper a la même tête que son père Whipper, qui a sorti son quatrième vainqueur de groupe 1 il y a quelques semaines grâce à Waikika. 3000, 3000 se à droite, à droite, à droite, à droite, 4, 5 à 5000, 5000, Valentin à 5000, à 5000, à 5000. Présenté par le hara du petit ailier, cette Big Word, c'est une fille de Whipper, née en Allemagne. À 9000 euros, Valentin à droite, l'enchère, mettez 10 qualifié pour les primes propriétaires en France. Elle a grandi et elle a été élevée au hara du petit ailier. Tout comme sa sœur, Big Letter, sa propre sœur même, qui est gagnante à l'âge de 2 ans à Pornichet. Et oui, 10. Qui est gagnante et ici, pas Grégoire, aussi à Tours cette année. La mère Big Monologue était entraînée par Henri Alexpantas, cette fille de Testarossa. Whipper, qui a gagné encore la gagnante groupe 1 cette année. Petit ailier. On est à 12 000 euros par Valentin. Big Monologue, elle était gagnante de l'Istad à Francfort. À 12 000 pour la fille de Whipper. Big était placée de l'Istad en France, en Allemagne. À 12 000 euros et je vais pouvoir la vendre à 12 000 euros. Il n'y a pas d'erreur, personne ne m'appelle par ailleurs. Rien à gauche, rien au fond. À 12 000 euros. La famille de Ciel Teslou, de Lomond. 13.
À 13 000. À 13 000 euros ici en face, c'est plus vous, Valentin. Vous êtes battu, vous l'aviez presque à 13 000 euros. C'est vous là-bas au fond du passage ici à 13 000 euros. À 13 000 euros, que dites-vous, Valentin? À 13 000 euros, je vais la vendre. À 13 000 euros, je vais la juger. Fini, Valentin. Pas vous, Laura, non plus. C'est sûr. À 13 000 euros, c'est là-bas au fond du passage. À 13 000 euros, on la juge. 13 000 euros, monsieur Kahnmaier. Merci, monsieur. C'est vendu. Le lot numéro 603, présenté par le Hara du Lieu des Champs, une femelle B née le 27 avril 2015 par Poets Voice et Blue Best. A noter que cette pouliche s'est accidentée hier et qu'elle présente une plaie cutanée superficielle du boulet postérieur gauche. Oui, elle n'est pas boiteuse, un anti-inflammatoire et un antibiotique lui ont été administrés. Elle est également vendue sans TVA à hauteur de 50%. Et oui, un petit bobo, rien du tout, mais une belle pouliche ici, une pouliche avec de l'étoffe, une pouliche consistante, fille de Poets Voice, petite fille de Dubaoui par le fait. Étalon prometteur, on commence à 3000 euros, 3000 qui m'appelle à 3000 euros, 3000 euros pour la fille de Poets Voice, petite fille de Dubaoui, 3000 euros qui m'appelle à 3000, 3000, à 3000 euros, mettez vos enchères à 3000 euros, à 3000. Et une mère par Mujahid et une grand-mère par Kingsbase. C'est pris à 3000, à 3000, qui dit Étalon, soit Darley, soit Shadwell, des frères Matoum. Il y a déjà des gagnants de sexe, Poets Voice, bien sûr, on est à 3000 euros seulement, par Grégoire, l'enchère ici à 3000 euros, oui, 5 à 5000, à 5000 euros là. Les premiers produits de Poets Voice sont âgés de 3 ans, père de l'oreille de groupe. À 5 000. La mère est gagnante. Hein. Elle avait gagné les Cui Two Stakes. 5 000 euros. 5 000 euros ici, Alban à gauche. De Dubaoui. 5 000 euros, que dites-vous maintenant? La case à Godolphin. 5 000 euros maintenant ici, 5 000. C'est par Alban l'enchère, que dites-vous? À 5 000. Je vais devoir la vendre à 5 000 euros. C'est sûr. À droite, personne ne répond. 5 000. Vous allez la voir, Alban, à 5 000 euros. Personne ne m'appelle. Par ailleurs, à 5 000 euros, dernier tour de salle. À 5 000 euros. Oh, il était dans 7 000. À 7 000 euros. À 7 000 euros, Grégoire. À 7 000 euros, c'est bien Grégoire. À 7 000 euros, Alban, que faites-vous? Vous ne laissez pas faire, vous ne laissez pas impressionner. À 7 000 euros, tentez 8. À 7 000 euros, tentez 8. J'ai 7 000 à droite, c'est contre vous, Alban, tentez 8. À 7 000 euros, à droite, ici, l'enchère par Grégoire. À 7 000 euros pour la fille de Poets Voice, petite fille de Dubaoui. La mère est gagnante. À 7 000 euros, je vais la vendre. Bon croisement ici, Dubaoui, King Mambo, super croisement. À 7 000 euros, je vais la vendre. Va vendre bientôt cette fille de Poets Voice. On a juge. Je vois Julia Piki aussi près du ring. C'est l'aura du Grand Lys. Je me demande si elle n'était pas co-éleveuse de cette. Le lot numéro 604, présenté par le Hara d'Ombreville, une femelle B née le 7 février 2015 par Maybot Charlie et Bryce Mahal. A noter que cette pouliche est vendue sans TVA dans sa totalité. This filly is sold without VAT. Ouais. Une fille de My Boy Charlie, très très belle année 2016, bien sûr des produits de My Boy. Présenté par le Hara d'Ombreville. Voilà Sindar, l'étalon mix du Hara du Lyon. Il restera pour la saison 2007 au Hara du Lyon. Après avoir saillé 120 juments. 4-4, 5 maintenant par Guillaume. Guingamp Sindar, le père de l'oreille de groupe 1 en plat, le père de l'oreille de groupe 1 en obstacle. Je pense notamment à Diakali. On est à 5 000 euros ici par Guillaume à gauche, l'enchère. À 5 000 euros. À 5 000 euros ici à gauche. À 5 000 euros l'enchère. À 5 000 euros, c'est par Guillaume à 7 à 7 000. 5 000 euros pour une arrière petite fille de Bright Sky déjà. Bright Sky, elle était à un moment donné, qu'elle le soit encore, poulinière chez Jean Birabin. Super polish, très très beau modèle, avec de la distinction. On est à 8 000 euros par vous, Guillaume Lanchère. Nous allons la grand-mère Bright Sky, la fille de Bright Sky, donc le rat du prix de Diane, bien sûr, de l'Opéra. Julie. Placé encore de l'Opéra, du prix d'Ispahan, du Saint-Alary, du Moulin de Longchamp. C'est l'approche famille de Board Meeting. Très très bonne année avec mère de Big Blue. Également à 10 000 euros, à 10 000 euros l'enchère. Depuis Bright Sky, depuis Board Meeting et Big Blue, la souche s'est peu à peu éteinte. Arrondissez Guillaume, mettez 10 et vous l'aurez peut-être. À 9 000 euros l'enchère. Elle n'a pas produit de champion Bright Sky. À 9 000, mettez 10, à 9 000, arrondissez, mettez 10, à 9 000 euros l'enchère. Ici, en face, par Julie, 9 000 euros. Nous allons la vendre à 9 000 euros, pas d'erreur. On la juge. 9 000 euros, Julie. Le lot numéro 605, présenté par le Hara du Paty, Gone Foot, femelle B, née le 10 mars 2015, par Chamalgan et Castillon. Chamalgan, en effet, les premiers yearlings de Chamalgan Super Miler, vous en souvenez, la mère a déjà produit deux chevaux de course, dont un vainqueur. Pietolini. Grande pouliche ici, entraîneur avec de des bons points de frosse, super modèle, des bons tissus. Avec elle est déjà Botti. Très course. Combien faut-il pour débuter pour la fille de Chamalgan? 3000 qui m'appelle à 3000. Et Philippe de Couze au premier plan. Pouliche ici à 3000. À 3000. 3000 qui m'appelle à 3000 euros. Ici à 3000 qui m'appelle à 3000. À 3000, mettez vos enchères à 3000. Une fille de Chamalgan.
points de force ici à 3000. Elle est de la première production de Chamalgan, puis de Footsteps in the Sand. Oui, 3000. 3000 préparés. Élevé par le Haras des Granges et Mathieu d'Aguzangaros. 4000 à 4000 euros l'enchère ici par Guillaume à 4000 l'enchère ici. 5 à 5000 à 5000 Dominique Lanchère. Il avait commencé sa carrière d'étalon au Haras du Lion, ce Chamalgan. Il a été remis à l'entraînement. Il a même été castré, je crois bien. 6000 à 6000 par son entourage. La mère de cette pouliche, c'est Castillon, une fille de Gone West qui a déjà produit la gagnante Boissé. À 7008 à 8000. Boissé EY à la fin. Fille d'Authorize gagnante à Lyon cette année. Par Guillaume contre vous, Dominique, à 8000 euros l'enchère ici, à gauche l'enchère ici pour la fille de Chamalgan, première ligue, belle pouliche, très course, very racy, Philly, oui, 10, à 10000. À 10 000, c'est vous, Guillaume, qui m'enchère ici. L'éleveur du pâtis, c'est Gaëtan et Amélie Gilles. Guillaume l'enchère à 10 000. À 10 000. Les éleveurs de Vision d'État, entre autres. C'est l'éleveur de Mid Dancer. À 12 000, Guillaume. À 12 000 par vous et contre vous, Guillaume, à 12 000. À 12 000, à 12 000 pour la fille de Chamalgan. Très belle pouliche ici, à 12 000 euros l'enchère ici, à 12 000, à 12 000, à 12. À 12 000 euros, nous allons la vendre, pas d'erreur, à 12 000 euros. À 12 000 euros, oui, 14, 13. À 13 000. À 13 000. À 13 000 euros l'enchère ici pour la fille de Chamalgan à 13 000. Maintenant, on va pouvoir juger si plus personne n'appelle à 13 000, tenter 14. À 13 000, tenter 14. À 13 000, je vais la juger à 13 000 euros. À 13 000 euros, personne ne m'appelle. Par ailleurs, 13 000 euros, c'est sûr. Pas d'erreur dans la salle. Dernier tour de ring. 13 000 euros, le marteau se lève. À 13 000 euros, on adjuge. 13 000 euros par vous, Guillaume. Le lot numéro 606, présenté par le Haras de Castillon, une femelle B née le 25 avril 2015 par Slick Lee et Chick Retreat. Et oui, une fille de Slick Lee, l'étalon leader, bien sûr. Alors c'est vendu. Le père d'Apilobar, la mère et sœur de deux chevaux Black Type, et elle a déjà produit deux vainqueurs. Jamais deux, 103, me direz-vous. La fille de Slick Lee, très belle pouliche avec une forte arrière-main ici. Ah non, 3000 euros qui m'appelle à 3000. Racheter, à 3000 euros pour la fille de Slick Lee, oui, 3000 bien sûr. À ses prix, tout de suite, alors pas 3000, à 3000 euros. À 3000 euros l'enchère ici. C'est Gaëtan Gilles qui va signer. Le voilà, Gaëtan Gilles. Haras du Paty. Slick Lee, oui, 4 bien sûr. 4 à 4000. À 4000 euros l'enchère. À 4000 euros en face. À 4000 euros. C'est qui? Toujours Grégoire, par vous contre vous, Grégoire. 5000 à 5000 euros l'enchère. À 5000 euros ici, Grégoire, par vous et contre vous, vous êtes deux. 5000 à 5000. À 5000, à 5000 euros l'enchère, Grégoire, Laura, que dites-vous à 5... 6 par Laura. Voulez-vous 7, Guillaume? J'ai 6, voulez-vous 7? Oui, 7. 7 à gauche par Tony, à 7, à 7, à 7000, à 7000. À 7000 euros l'enchère ici, à 7000 euros pour la fille. Ça fait plaisir, des messages de remerciement. De toute la France, de partout du monde, notamment sur Chaîne Solène qu'on embrasse, qui attend un heureux événement. De deux chevaux Black Type, hein, 12 000, 12 000, 12 000 à droite, l'enchère ici, Laura. Et elle a déjà produit deux vainqueurs, on est à 12 000, 14. C'est Perfect Queen et Prince Jean Do, les deux vainqueurs de Chic Retreat. À 13 000 euros l'enchère maintenant ici, à 13 000, on peut être jugé à 13 000, pas d'erreur pour la fille de Slick Lee. 13 000 euros, qui m'appelle par ailleurs, 13 000, on va être jugé à 13 000. 13 000, dernier tour de salle. Je pense qu'on va juger. Pas d'erreur. 13 000 euros, c'est par Tony, l'enchère, et on va la juger à 13 000 euros. C'est Benoît Geffroy et Annabelle et Médura de Castillon qui présentaient cette équipe de Slick Lee. C'est vendu le ou pas 607. Vous êtes liste des questions. Golden Frost, femelle B, née le 4 mars 2015 par Silver Frost et Colina Doro. A noter que cette pouliche est vendue sans TVA à hauteur de 25%. This filly is sold without VAT for 25%. Et oui, le premier produit d'une jeune jument, une fille de Silver Frost, le père de Silver Wave, bien sûr, très belle famille de Ponte Tresa, Porlezza et Pornichet. Une pouliche bien d'aplomb. Eh ben, j'ai pas vu. Avec de la profondeur, combien commençons-nous? Je suis contrit. Mettez-vous en chair à 3 000. À 3 000. 3 000 euros pour je la suis navré. Petite fille de King's Best, très bon père de mère, s'il en est, bien sûr. À 3 000 euros, c'est pris par Julie. À 3 000. À 3 000. À 3 000 euros l'enchère maintenant. Maintenant, suivons. J'ai well, alors le Haras d'Elbe nous présente désormais le Golden Frost. Le 607. Non, non, c'est Marc-Antoine Bergache, c'est bon. Ah, bah très bien. À gauche, l'enchère 5. À 5 000 par Dominique, à 5 à 5 000. À 5 000, à 5 000 euros l'enchère ici. À droite, 5 000 par Dominique, 6 à 6 000. À 6 000 euros l'enchère à la barrière ici. 6 000 à l'enchère. Fille de Silver Frost, donc. 6 000 euros ici, Dominique, c'est vous qui en mettez l'enchère à 7 000. Les paires de 6 Black Type. 7 000. Son Silver Wave, bien sûr, son lauréat de groupe 1. Là, à droite, 7 000 euros. À 7 000 euros l'enchère, suivons maintenant. Il a également donné le gagnant de la grande course de haie de Cagnes des 4 ans cette année. À 7 000 euros, là, on va la vendre à 7 000 euros. Diantre, en début d'année. Petite fille de King's Best, premier produit, jeune jument. À 7 000 euros, l'enchère est ici pour cette jolie pouliche. À 7 000 euros, on va la vendre 8 à 8 000. À 8 000, 10.
à 10. À 10 000 euros l'enchère ici, pas Dominique, à 10 000. À 10 000, à 10 000 euros l'enchère ici, à droite. À 10 000 euros l'enchère ici, à droite, pas Dominique, l'enchère. Alors, il y a la famille de Nicolaï qui regarde avec intérêt. Il y a Yves de Nicolaï et son neveu. Et ses demoiselles également. Oh, on voit que notre ami belle. Fabien Guillotto, le chanteur, a repris le gros zoom. Pardon. Dominique, merci. Le lot 609 étant Monsieur absent. Yves de Nicolaï, merci. Le ah bah voilà, Yves de Nicolaï, parce que pendant. Avant que tu me coupes. Ah bah je. Je dis pour rien. Tiens, Yves de Nicolaï, Yves de Nicolaï, il est là. Amal B, né le 10 février 2015, par plan. Qui signe, c'est lui qui. Alors il entraînait, il conduit peut-être des voitures du Temple Automobile, en tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'il entraînait Porletza, Ponte Tresa aussi d'ailleurs, et les jumeaux de cette famille. Aussi. Et Silver Frost aussi, bien sûr. Et un update de qualité dans la famille, puisque encore une victoire pour le frère. À combien commençons-nous pour le fils de planteur? 3000 euros. Origine à Gacan ici, toujours un bon investissement comme d'habitude. À 3000 euros, qui m'appelle à 3000 euros. Il s'est placé la marque à Gacan. Ah oui, un bon investissement comme d'habitude. Ta la la la. Ta ta. 4 à 4000 par l'aura, à 4000 euros l'enchère ici à droite, à 4000 euros l'enchère ici, 5 à 5000, à 5000 euros, à 5000 euros, Julie, c'est vous qui tenez l'enchère pour ce très beau poulain, 6 à 6000, à 6000, à 6000 euros l'enchère, à 6000, à 6000, à 6000 euros ici. Béranger Bussy de dos avec sa femme, Béranger Bussy, c'est lui le haras de la Hudry, le manager, le directeur du haras de la Hudry qui va recevoir Gauken comme étalon l'année prochaine. Dans quelques instants, à 6000 euros, pas d'erreur, oui, 7, à 7000, à 7000. L'avant-dernier coup de marteau de ces ventes d'octobre, bientôt. Très bon poulain, très course déjà, et bien d'aplomb, bien correct. Va bientôt tomber. Pas vous, Laura, pas vous, Julie. C'est à gauche, l'enchère, ici, à la barrière, à 7000 euros pour Alban, et on va pouvoir la juger à 7000 euros. Le fils de planteur, origine à Gacan. Encore une victoire pour le faire, un bel update, à 7000 euros pour conclure ici. Ce qui fait 6 victoires pour Easterberg. 7000 euros, pas d'erreur, par ailleurs, à 7000 euros. On a juge, 7000 euros, merci Alban. La vente est maintenant terminée. Ah bah. C'est pas le 609 étant absent. Le 609 est absent, donc Victoria va pouvoir rendre l'antenne. Victoria. Oui, je rends l'antenne. T'as vu, elle est efficace, hein, cette petite. Moi, on me dit de rendre l'antenne, je rends l'antenne. Bah, tiens, l'enlève-la, l'antenne. Blague mise à part. Eh bien, écoutez, rapproche-toi, ah oui, Loïc, rapproche-toi. Oui. Rapprochez-vous, je t'en suis. Ah, on a lancé toutes les musiques en même temps. pour la dernière, c'est ça. Voilà. Et voilà, on se retrouve désormais en direct. Eh bien, je ne sais plus quand d'ailleurs, ce n'est pas grave. Si le 15 novembre, le 14, 15, 16 et 15 novembre, nous aurons ici ces ventes en direct d'Arcana. Et puis auparavant, oh là là, il y a plein de choses. On va voyager, on va aller à Baden-Baden, on va aller à Auteuil, bien entendu, pour les 48 heures de l'obstacle. Et c'est déjà fini. Et puis aussi, aussi à Osarus pour la vente du 4 novembre. Et puis après, ce sera la Corée, ce sera le Hong Kong, ce sera fantastique, ce sera à Deauville, absolument. C'est formidable. À demain, si vous le voulez bien. Merci, à ce week-end, on va se reposer un petit peu. Beaucoup. Même s'il y a plus cher Hervé, qu'on salue d'ailleurs très très fort. Allez, à bientôt. Ciao. Et on recommence. Salut. C'est fini.